Bonsoir YouTube! Bonsoir Là par contre c'est le YouTube! cas. Ah ouais, bonsoir YouTube. Alors Et Twitch vous dit bonsoir aussi. voilà, vas-y, explique Parce ta que vie nous toi en début de sommes. vidéo là. Bah nous sommes en live sur Twitch à. Le lundi 24 à 11h27, début d'un live. Logique, hein, c'est là où il y a tout le monde qui regarde, évidemment. Oh bon, évidemment c'est réputé légendaire. Non, on est en. Bah, en petite rediffusion comme ça. Moi, ce sera en rediffusion sur ma chaîne, de mon point de vue, et toi, sur comme d'habitude, gaming. Et donc, nous sommes en compagnie de Knarfang, qui possède cette chaîne. Et Voilà. sur cette chaîne, il y a quoi en ce moment? Warteil, Terranil, Non, il n'y a plus de un peu Terranil, de jeu. c'est fini. Il T'as y a fini? TerraScape qui est apparu. TerraScape? Il y a Ah, toujours TerraScape. Donjon de Nullbuck que j'ai bien l'intention de mener jusqu'au bout. À 100%? À Oh ouais, 100%. j'ai bien l'intention d'amener Donjon de Nullbuck. Un jeu que je trouve très largement trop méprisé. Personne n'en a parlé. Enfin, ou on a parlé genre vite fait. Oh, on a joué vite fait, machin, terminé. Oh, c'est bien comme jeu, il y a des bugs, machin et tout. Et les personnes n'est jamais revenu sur ce jeu qui est franchement d'une qualité incroyable. Pour un jeu indépendant, toutes les voix sont doublées, enfin tout est dedans quoi. Le jeu est équilibré, il est rigolo, alors il devient de plus en plus dur avec le temps, mais franchement, hein, objectivement, Donjon Nullbuck, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Et personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Le DLC il est sorti dans le plus grand des mépris et absence de tout le monde. Il y a eu un DLC qui est sorti, je savais même Mais pas. il y a un DLC qui est sorti, la quête de l'oubli, tout ça, et je crois qu'il y en a un autre là qui vient de sortir récemment. Et tout le monde en a rien à foutre, personne n'en Mais parle, le jeu il y a n'existe pas même pas quoi. de promo autour, c'est Mais dingue. le jeu n'existe pas en fait, Waouh. Et pourtant, il y a eu pas mal de monde qui a fait des caisses et des caisses dessus, hein. Bah aujourd'hui tous les trentenaires, quarantenaires qui sont un peu geeks connaissent Donjon de Nullbuck quoi. Donc tu vois je trouve Ouais. ça fou qu'en France, à ce point-là, le truc il est tombé dans le vide. Si tu me dirais que les streamers québécois ils en ont pas parlé, je veux bien, ok, ça marche, c'est pas ex belge aussi, ok, je veux bien. Mais à un moment donné, déjà les streamers bretons ils ont aucune excuse. Bon, en même temps je sais pas si ça existe un streamer breton. Ah Voilà. ça j'en sais rien. Ça je n'en sais rien Mais malheureusement. bref, ouais, voilà, je trouve ça très moche, avec pourtant la voix de Benzaï dedans d'ailleurs, en plus, il y a la Bah, voix de Betsy dedans qui fait plusieurs personnages. il y a pas que Benza, Il il n'y y a en a pas que plein Benzaï, d'autres. mais on reconnaît bien la voix de Benzaï. Ouais. Et donc il y a surtout ces jeux-là, toi et moi, il faudrait aussi qu'on se remette, ça serait pas mal sur Orc Must Die à l'occasion. Oui, ça oui, carrément. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal de Wartale, pas mal de Donjon de Nullbuck. J'ai kiffé effectivement le let's play qui est vraiment très cool. J'ai aimé ce jeu et je trouve même d'ailleurs dommage sur Terranil qu'il n'y ait pas de mode bac à sable ouvert, enfin des maps random que tu peux générer comme ça pour continuer à jouer, pour le fun. Qu'il n'y ait pas de deuxième planète ni rien. Il faut reconnaître que Terranil est très cher comme jeu pour ce qu'il propose. C'est un petit peu dommage. Il y a des petits reproches à lui faire ici et là, mais bon, à côté de ça, le jeu était très agréable, l'expérience était très sympa, bon jeu quoi. Alors pour Non, moi, ce ouvrir qui va le. intéresser YouTube quand même à un moment donné, parce que excuse-moi, je finis là-dessus, c'est que ce serait Vas-y. bien que tu dises un jour, c'est quand les heures auxquelles tu stream et que tu les mettes dans un message commentaire, parce que moi, je vais pas le faire, comme d'hab. Alors, sur ma chaîne Twitch, il y a un planning. C'est 21h30, 23h30 les mardis soirs et jeudi soir. Et de 21h à minuit les samedis soirs. Après, je fais souvent des petits lives comme ça, à gauche, à droite, sur des jeux qui me plaisent. Ça peut aller. Bon, j'en ai fait un peu moins là de Tif, que je compte très bien finir à 100% aussi, mais c'est le jeu de l'emmerdement. Et du League of, pour ceux qui aiment regarder ça, il y en a aussi un peu sur la chaîne. Je vais faire aussi normalement les dimanches soirs un jeu, comme ça, qui me plaît, exceptionnel. Faudra me dire si les gens aiment. Je vais rebondir dessus parce que sinon je vais complètement oublier. Spacet me demande déjà de faire penser à appeler sa grand-mère pour son anniv. Yeah! Concernant Donjon de Nullbuck, il disait que la communauté française avait d'autres jeux qu'elle voulait faire et que ouais, il passait beaucoup sous les radars en fait. Il est passé énormément sous les radars le jeu. Oui, non, Parce mais qu'on a il fait est. énormément de com dessus, mais à la toute fin de ça, bah il n'y avait plus rien quoi. Le jeu est sorti, il y a eu quelques vidéos promo dessus et. Même Bob Lennon, qui je pense aurait
kiffé faire un let's play dessus ne l'a pas fait. Bah, première vue, lui, il l'a fait plus ou moins en live et il a rediff une vidéo vite fait. Mais quand, en fait, même la vidéo qu'il a rediff, c'était déjà une vidéo en cours de partie. Ouais. Où il donnait des conseils sur comment monter son équipe de donjon, nullback, blabla, tout ça. C'était déjà bien en cours d'aventure. Donc, je me demande si ça n'a pas été une sponsor en fait. C'est-à-dire que les mecs, si tu leur lâches pas du pognon, ils... bah, en même temps, c'est le problème aujourd'hui des streamers. C'est... Ouais. Moi, par exemple, j'aime bien Mister MV, mais en vérité, Mister MV, soit il joue à Binding of Isaac, soit dès qu'il joue à autre chose que Binding of Isaac, c'est qu'il est payé pour quoi. C'est ça qui est un peu triste, tu vois. C'est devenu leur métier, donc après ils ont peut-être un peu moins de liberté. C'est devenu plus que des pancartes publicitaires ambulantes, il n'y a plus aucun fun, il n'y a plus aucune passion, il n'y a plus... je retrouve plus ça. Alors, de temps en temps, là, c'est vrai que Mister MV, il y a quand même 2-3 petits jeux quand même qui lui tiennent à cœur, sur lesquels il passe un peu de temps et tout, mais bon, en dehors de ça, voilà, c'est vraiment... tu regardes même pareil JDG qui faisait pas mal de let's play sur Bazar du Grenier ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ils sortent plus rien. Ils sont devenus full sponsor quoi. C'est à dire que les gens ne bougent que si on leur donne du fric quoi. C'est triste. C'est devenu un métier quoi. Oui, mais que ce soit un métier, c'est une chose. Bon, enfin bon, je veux pas être méchant. Le moindre placement publicitaire, même une cuitochette à la con, n'importe quoi, c'est pas en dessous de 1000 balles. Bon, on va pas se mentir, vu les audiences des gros streamers, c'est pas des 1000 balles qu'ils prennent, c'est x10 qu'ils prennent. Énormément, oui et non, il y a pas longtemps, vous avez vu que le jeu a été relayé parce que moi, pour... c'est une recette réchauffée de XCOM. Pour Donjon Nullbuck ? Ouais, Donjon Nullbuck pour Space 7, c'est un XCOM réchauffé. Oui, bah après oui, c'est le système de combat XCOM, mais t'as beaucoup de jeux qui sont en combat case par case. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu te dis quoi? Tous les jeux sont quoi? Soit des civilisations, soit ce sont des Heroes of Might and Magic, soit ce sont des classiques donjons et dragons, enfin des classiques Neverwinter, avec presque le cercle en bas. Genre, bah là, on joue à Wartail, bah super, c'est Neverwinter, voilà. Bah c'est ça, hein. c'est un Neverwinter, Donjon Nullbuck, bah du coup c'est un XCOM, et en plus c'est un XCOM quand même un peu plus, puisqu'au moins il y a un vrai arbre de compétences, mais oui évidemment, bah après le système de combat de XCOM est grave cool, c'est pas pour rien qu'il est resté, mais c'est comme les jeux de stratégie de type RTS qui ont duré pendant longtemps, c'est comme si on avait dit, bah c'est tous des Red Alert aujourd'hui, tu vois, c'est un système de jeu, maintenant c'est vraiment la sauce Nullbuck. Et vraiment, après, quand je joue à Donjon Nullbuck, enfin, si vous regardez le let's play, j'ai pas l'impression, moi, d'être jouer à XCOM, quoi. Je joue à Donjon Nullbuck, quoi. Ouais, bah, parce que, regarde, comme il dit, Wartail, c'est pareil, hein. On joue Wartail. C'est Neverwinter, Wartail, hein. C'est ça, avec les phases de camp, hein. Avec les phases de camp, avec... Mais regarde, un jeu que j'aime beaucoup, qui est Pathfinder. Oui. Et Pathfinder Kingsmaker, bah c'est Neverwinter. Cool, c'est un Neverwinter. Pillars of Eternity, c'est un Neverwinter. Divinity Original Sin 2, c'est un Neverwinter. Ce sont ce que j'appelle les classiques RPG qui sont donc des Neverwinter, qui sont donc des Fallout, le tout premier Fallout, etc. Ils fonctionnaient tous sous le même système, ils fonctionnaient tous pareil. Voilà, après, c'est comme si je disais Orc Must Die, c'est Fortnite. Alors, non, c'est même pas un Fortnite, c'est un Tower Defense. Pour le coup, c'est exactement le même moteur, c'est exactement la même boîte, c'est exactement les mêmes graphismes, le même jeu, j'ai envie de te dire. C'est le Fortnite, mais c'est le Fortnite solo, c'est pas le Fortnite que j'aime pas, désolé. Bah, En fait, c'est complètement le moteur Fortnite, les graphismes Fortnite, tout, sauf que c'est pas le même jeu, c'est pas un Battle Royale, quoi, c'est un Tower Defense. Alors, il faut savoir que Fortnite, de base, n'était pas un Battle Royale. Oui, je sais. Ils ont sorti le mode. Et moi, je kiffais jouer à Fortnite en mode solo, ou avec des potes, 4 potes, qui faisions un Tower Defense. Oui, qui avait en fait, qui était un Orc Must Die. Voilà, excuse-moi, c'est pas Orc Must Die est un Fortnite, c'est Fortnite est un Orc Must Die, en fait. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Et plus précisément, c'est un Dungeon Defender, en fait. Voilà, c'est tout. C'est comme si tu disais aujourd'hui tous les FPS sont des Counter-Strike. On l'appelait Doom-like. Oh. Non, les Doom-like, les Doom-like, c'est déjà plus un fast FPS. C'est vrai. Et dans ces cas-là, c'est plus Halo, si je dis pas de bêtises, le premier des fast FPS.
Mais tous les FPS classiques, genre R6, bah vas-y, R6 c'est Counter-Strike en fait. T'as pas tort, SpaceX, là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il disait une dernière chose certaine, c'est changer sa plateforme de diffusion. C'est aussi très casse-gueule. Ils sont passés de BD à. Désolé, chien. À un jeu vidéo. Et il y a Noob qui a fait ça aussi. Ce sera aussi potentiellement un flop pour lui. Noob, le jeu a quand même pas mal de monde, hein, au final. Ouais, mais pareil, Noob, quand le jeu est sorti, parce que d'après ce que j'ai compris, le jeu existe déjà. T'as vu un Oui, mais streamer, il toi, en existe déjà. parler? Moi, Non, j'ai c'est pour ça Zerator n'en que. a pas parlé, Étoile n'en a pas parlé, Antoine Daniel n'en a pas parlé, Mister MV n'en a pas parlé, je sais plus, j'ai cité. Enfin, tu prends AlphaCast n'en a pas parlé, je crois. Si AlphaCast, il a peut-être fait une vidéo dessus, justement, je crois. Ah, la BD a Mais. flopé. Je croyais. Bah, ok, la BD a apparemment flopé aussi. Ouais, je peux comprendre. Alors, ça, je peux comprendre, mais. Donjon Nullbuck, le jeu, enfin objectivement, le jeu est bon. Tu me dirais, le jeu est mauvais. Ok, on est là sur un jeu, on a monté la sauce pour avoir du financement, etc. Puis à la fin, t'as une merde innommable. Alors je sais que le jeu a eu un départ difficile parce qu'ils ont mangé beaucoup de bugs, parce que selon la configuration que t'avais, c'était compliqué. C'était compliqué, mais je veux dire, objectivement, le jeu est bon. Entre deux, il y a un DLC qui est sorti. Et même à sa sortie, il y a très peu de gens qui en ont parlé. Il n'y a personne qui a fait un let's play dessus. Je veux dire, aujourd'hui, tu tapes Donjon de Nalbuck sur en français, tu cherches un let's play, c'est le mien qui sort, quoi. C'est triste. C'est un peu triste Il ou pas veut. que, faut attendre 3 ou 4 ans. Je sais même pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vous écoute, Alors, hein. On avance pas beaucoup, mais on SpaceX discute. dit que si le jeu est bon et qu'il est sous-coté, ah putain, c'est ça, c'est pareil. Fait confiance aux joueurs français qui vont lui rendre un hommage certain quand il sera tombé dans l'oubli. On est, ouais, c'est vrai qu'on est pas mal, on est assez fort pour ça. Ouais, c'est. Non, mais c'est ça, c'est un jeu qui, à mon avis, aura une renaissance. C'est un peu ce que je lui donne là actuellement, et c'est ce un peu sur quoi je pousse, parce que, effectivement, ce jeu est sorti. Attends, page du magasin. En deux. Il est sorti avant ou après le Covid Il déjà? est sorti le 17 septembre 2020. Et en plus, sa note est genre très positive, hein. Mais oui, Il a quand c'est même juste que bah. 5 500 évaluations. En fait, ce qui Bah, me rend le fou, c'est que pro. je suis en train de me dire qu'il y a potentiellement plus d'étrangers qui ont acheté ce jeu que de Français. Bah, moi je Tu sais vois que ce je que ne je l'ai veux pas dire? acheté parce que bah j'avais Wartail. Ah, tu vois, mais genre là, l'amulette du chaos, il est à 12,24€ sur Steam, il est bradé à moins 65. Oh, bon, j'irai l'acheter parce que franchement, il est Et trop bien. Et et même pas donc sur un il. stand gaming à plein. De Voilà. quoi? J'irai même pas l'acheter sur un stand gaming, je l'achèterai plein Non, bah parce après, que. peut-être qu'il est sur Instant Gaming, mais là, je veux dire, il est à 12 balles 24. Il a eu. Attends, il a ses DLC, on peut voir ses DLC. Ouais. Ses DLC, donc tu as. T'as un Season Pass qui est sorti. Donc là, t'as les musiques machin. T'as le donjon de Kellux qui est sorti. Enfin, les arènes de Kellux qui sont sorties. Et les ruines de Limis qui sont sorties. Ainsi que Ouais. Back to the Futon. Voilà. Qui est donc la quête de la couette de l'oubli. Et je crois que s'il est en promo, c'est parce que justement, tout est en promo sauf la couette de l'oubli. Et parce que la couette de l'oubli vient de sortir, quoi. Tu vois Ah ce que je veux ouais, dire? non mais ok, je vais le faire le jeu. Honnêtement, il me plaît, il me fait envie le jeu. Mais je pense que je streamerai dimanche soir. Je Voilà. pense que je me ferai un petit stream sur Donjon Nalbuck, sur l'intégralité. J'essaierai de le finir à 100% stream. Ça pourrait être intéressant. Et moi, je trouve Soit le ça. dimanche soir, Je soit le trouve vendredi ça. soir, ça peut être marrant. Je trouve ça vraiment triste ce qui est arrivé à ce Après. jeu qui est incroyable. Et donc voilà, bon moi c'est. Enfin qui est incroyable, qui est incroyable. De toute façon, je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde, mais je veux dire, par rapport à ce qu'il est, et par rapport à ce que les gens lui ont apporté comme attention, j'ai envie de dire. Non ouais, le jeu mérite pas ce qui lui est arrivé. Vraiment. On n'entend toujours pas le gros? Comment ça? Vraiment? Ah, attends. Pardon, je suis sorti du camp. Oh, bon écoute. Je suis en train de m'acheter le Season Pass. Ok. Check deux Option. secondes. Option, option. Bah après, ça doit être Discord qui est. Vous Le allez en son bouffer est du on donjon Nullbuck, hein, divisé si vous par n'étiez pas 4 prévenu. par rapport à toi. Ah ouais. Attends. Comment est-ce que je peux changer ça? Dans les paramètres Ah, peut-être? les sons Paramètres. prioritaires? Ouais, je dois être en son prioritaire. Mais non, même pas, parce que normalement c'est moi qui suis en son prioritaire. Oui, mais pas sur Discord. Là, c'est sur mon enregistrement, en fait. Ah. Et ouais. Audio, peut-être.
Faudrait que je règle ça moi aussi, parce que moi, à part baisser les sons environnants et sortir des vidéos du coup Ah avec des sons oui. assez bas. Voilà, j'étais en réducteur de bruit. Maintenant qui... Bonsoir. Vas-y, bonsoir. Est-ce que tu Est-ce m'entends mieux? que vous m'entendez ton tube? Ou pas ton tube, l'autre ton tube quoi. Enfin, le Twitch. Ouais. Mais c'est un ton tube P7, il y a aussi. une différente? Même chose. Ah, chiotte. Petit réglage sonore hein, pour entendre le Knarfang. Voilà, ça me Enregistrement laisse tout à non, fait le temps plus. d'acheter les DLC hein. Ouais. Réducteur de bruit, Donjon de bon, c'est Nullbuck. pas. Et en plus, du coup, il est rigolo parce que c'est un let's play qui plaît, c'est ça qui est fou quoi. C'est vraiment, Bah je oui, trouve tu m'étonnes. ça. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui aiment bien ce jeu, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils aimaient bien le jeu, etc. C'est vraiment genre les streamers, c'est on n'a pas touché d'argent, on va pas en parler quoi. Alors que c'est tous des putains de geeks, c'est pour certains d'entre eux des rôlistes. Et bah on n'en parle pas quoi. D'ailleurs, en parlant de On n'est pas rôliste, il faut payé, que on je en a rien demande. à foutre quoi. Exclure, délai de son, compresseur, noise gate. Non, bah je trouve pas. Attends. Oh, j'ai une excellente nouvelle pour vous, YouTube. Vous allez manger du donjon de Nullbuck, ça y est, j'ai tous les DLC. J'ai même les musiques, j'ai acheté les droits. Oh. Je ne te trouve pas. J'ai même acheté Pen of Chaos là, à moins 65%. Là, et Poc Poc qui vient chez moi, pop pop. Eh, gros, va falloir recharger cette game parce que c'est pas que je t'aime pas, mais tu laisses toujours défiler le temps. On est en attente de Ah ouais. Shinai, on peut pas poser le camp, voilà donc. Pardon. Oh le fou quoi! Ouais, Le non, fou mais il est en après, train c'est de pas laisser mourir toute la troupe! Ah ouais, moi je me charge, je veux pas le grave. savoir. Ah t'es en train de laisser mourir toute la troupe. Oh là YouTube ils sont pas là. d'accord. Eh ben, Twitch, ils s'en foutent. Non, mais je suis Je suis en d'accord train de me dire que je suis bon pour poster un avec toi. épisode qui est juste parler Tout des est. jeux Bah, ta vidéo. gueule. Ouais. Tout y est pour ça, pour que ça devienne banger. FR réputé, mais je pense qu'il y a trop de bons jeux en ce moment pour qu'il trouve sa commu. Mais en fait, il est sorti pendant la deuxième vague Covid, si je dis pas de bêtises, en hein, 2020 ou première. Bref. Et c'est là où ça a été dommage pour lui. C'est qu'il y a eu tellement de jeux qui sont sortis et qui ont fait banger pendant le Covid que voilà quoi, c'était pas le bon moment pour sortir. C'est à la fois le bon moment et à la fois le mauvais. C'était un pari et puis le pari a Non, été non, mais échoué, je pense. il est sorti buggé, c'est une chose. Ah C'était ouais, il est sorti complètement le bugué. moment parce que t'as plein de gens. Je rappelle que Skyrim a Oui. enregistré un pic de joueurs comme jamais, hein. C'est celui qui a enregistré le plus de joueurs en pic en simultanément, hein. 11 millions de joueurs. Un jeu qui est sorti en 2011, c'est bon pour vous. Voilà. Non, non, mais il est sorti avec des bugs, mais il y a un vrai, vrai abandon de la commu. Enfin, pas de la commu, des streamers en fait, qui ont laissé tomber ce jeu dans l'oubli. Alors qu'ils sont, t'as vraiment des mecs qui jouent RPG, etc. Non, ils l'ont laissé tomber aux chiottes. Ils l'ont vraiment. Ouais. Ça, du coup, je nous ai débloqué un point. Ce que je voulais faire, c'était notre lieutenant. Je voulais lui donner progrès fulgurant aujourd'hui, soif de connaissance, ramassage coordonné, respect de l'adversaire, motivation débordante. On est bon. Tu veux pas faire innocence feinte en plus? C'est quoi une... Je crois pas que ça a d'intérêt. Non, sans ça, on s'en Tu fout, c'est de la vas. merde. On croisera pas de garde et au pire, on leur casse la gueule. Comme ça, on fera plus de pognon. Ouais! Dans ce cas-là. Là, j'ai Comme on activé les va pas bonus tarder pour à qu'on puisse arriver en. ratisser. Puisque je rappelle qu'on vient de débloquer Ouais. 5% de vitesse en plus. Ouais. Et juste un truc. Comme on Oui. va pas tarder, on va aller rendre notre quête et aller marchander. Moi, je vais en prendre un autre. Mais il n'y a pas de quête et Hop, de marchandage, t'accordes. là, de quoi tu parles? Si, si, il faut qu'on aille vendre un truc. On est à côté, Ouais, mais gros. non, on n'y est pas à côté. Là, normalement, si tu Ah, regardes si. la carte, on va aller se taper, là, garçon. Les draps? Bah, les draps, vaincre la meute de machin, ils sont sur la route. Ah, oui, les draps, ah ouais, ok. Oui, on part de l'autre côté. Ok, ouais, non, j'ai rien dit. Ouais, vas-y, prends le Voilà. marchandage. Prends le merchandising. C'est fait. Eh ben, let's Et go. je t'invite à partir. Eh Et ben, maintenant, on voilà. va enfin faire du jeu. On va enfin jouer, YouTube, j'espère que t'es content. Alors, encouragé, hein. Bien sûr, on adore Oh! ma vigue. Hein. Tout le monde adore ma vigue. Hein. C'est la meilleure du crew. Bien Alors, sûr. c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est un mec, hein. Ma vigue, c'est un mec? Ouais, T'es sûr? avec son armure de plate, c'est un mec.
Ok. Nous, on va de quel côté là? C'est non, à gauche là, les moustiques là? C'est par là? Bouge! Zouk! Ouais, c'est par là. Oh, des mouches de viandasse. Viens, on se tape des mouches là. Allez. Non, c'est de la merde! Oh, franchement. Niveau 9, mec. S'il te plaît. Ouais. On a pas un seul niveau 9, on a des niveaux 6. Bah, oh, on avait qu'à avoir des niveaux 9. Fais voir les petites bestioles là. Moi je vois un marteau. Là je vois. Je vois un marteau, j'ai vu le marteau. Est-ce que vous voyez un marteau là? Mais est-ce que je ferais pas plus de carnage dans ce pack là? Ouais, bon. Ouais. Allez, bouge-toi le lieutenant. À mon beau mur. Attends, mon beau mur, faut que je vous le mette en bide. Hein. Je vais dégager à mon Taurus. Et je vais virer Stevie. Stevie, on. Non, ça c'est Mavic, ça, je me suis trompé. Il est où l'autre? Ça c'est Will. Attends, j'ai paumé un Taurus. T'as vu un Taurus toi? Ah, il est là. Ouais, il est là. Mais bon, j'ai trouvé un Taurus. Et Mavic, j'en sais ouais. rien. Zimlen, ce serait pas mal. J'ai une zone de 4 juste au-dessus de la zone d'os de barde. Mais je pense que je vais aller le mettre sur la zone de. Ah oui. Je vais aller le mettre du côté là-bas. Hop. Ouais, c'est ça, j'ai envie de te dire pourquoi t'es de ce côté-là. Ouais, mets-toi à la place de Sophia, par exemple. Et tu mets Sophia à la place de. Tu sais quoi, je te décale même, regarde, Os de Bard, je te le décale. Tu le mets dans le creux où il y avait Os de Bard. Comme ça, elle pourra galoper à gauche, à droite, c'est très bien, quoi. Ouais, Edenal. Voilà, Zimel. Et là, comme ça, tu mets. Bon, je suis pas sûr que tu one-shot 104. Est-ce que tu mets 104 dans un insectoïde? Avec qui? Avec Zinlan. Ouais, si je pense. Zinlan. En crise. Ouais, en critique de colle-toi oui. à Toru, je crois qu'il est ton meilleur ami, si je dis pas de conneries. Ou mon mur, c'est mon mur ton meilleur ami, je sais plus. Attends, bah ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas voir en combat. Comment ça on peut... Si on peut voir, regarde, en bas à gauche, tu cliques sur tes relations là. Il y a écrit 7, ouais, t'es ami avec tout le monde. Allez, tu peux. Colle-toi à Taurus là. Ça c'est littéralement faire deux pas sur le côté, tu vas t'en sortir. Non, avec Zilan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout. T'es meilleur ami ou pas? Non. Bah alors ça va être mon mur. Alors que c'était mon mur. Voilà, c'est ça. Bien vu. Tape le moustique cardinal. Je me rappelais que c'était un des deux qui empêchait le lieutenant Will de te tuer. Voilà. Remets-lui une sauce. Oh, attends, j'ai chopé. Oh non, putain. C'est... Ouais, putain, c'est pas ce que je voulais que tu fasses du tout. Là, tu vois, je te déteste. Mais, et comment je fais pour lui mettre une sauce? Non, mais dans ce cas, tu me prévenais parce que là, au fait, mon mur, il peut plus passer. Ah, chiotte. Voilà. Bah, je bougerai Mélanie. La médiocrité, c'est pour ça que t'es pas capitaine ni lieutenant. Voilà, c'est bon ça. C'est bien. Ah, capitaine, et il est fier de toi. Qui monte. Attends, je fais vraiment. Vraiment, vous m'avez foutu dedans. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Rien. Donc, on peut aller glaner quelques points. Oh putain, bah, il y a tous tes persos qui me cassent les couilles attends, là. Attends, bouge pas. Je vais virer Mélanine. Bouge pas. Je vais virer Mélanine, elle va se barrer comme ça. Tu non, 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 vire pas Mélanine. Là, idéalement, l'idéal c'est de pouvoir abattre tout insectoïde qui rentre dans ton cercle. Ok, c'est un peu l'idée. Ouais. On est d'accord? Parce qu'il y a un moustique attends, qui va jouer qui peut nous atteindre. Est-ce que tu entends ce un que Edenal. Je dis? Oui, comment ça, un Edenal? Alors, un Edenal, complètement. Ouais, complètement, vas-y. Hop, il prend sa distance, il tire, paf, il lui met une flèche. Et il peut même pousser l'autre qui est déjà enflammé si ça le régale. C'est ce que je comptais faire. Voilà. Hop. Et je vais aller le mettre en haut ici, par là. Pour te libérer. Oh, je vais aller le mettre là, derrière. Derrière Taurus. Ouais, parfait. Hop. Comme ça, t'as la liberté. Ah, c'est lui qui est meilleur ami avec Taurus. Voilà. Hop. Et prends. Voilà. 86. On nettoie dans les coins. La rage, tu vois, la rage, c'est fort hein, sur un Zinlen. Hein. Déjà, là, il a. Ouais, meilleur ami aussi, ça fait le taf, hein, au cas où. Hein, je t'informe. Bah, regarde. Quand même bien le taf. Ouais, 157, c'était en critique. Oh, je peux taper. Mais... que ça, je suis déception. Je vais lui mettre une huile d'Attila sur Zinlen. 10% pour votre critique. Je suis une déception perpétuelle. La vie me dégoûte. Je ne tue plus rien.
Je suis devenu si faible. D'ailleurs, c'est de la faute de Spacette, c'est lui qui a dit que je deviendrais faible. Ah. Je suis devenu si faible. En fait, je pense que Ozdebard, faut vraiment qu'on lui fasse un petit Ouais, c'est effectivement le petit point. Et là, tu peux jouer soit un. Tiens, regarde, c'est le cadeau que je te fais. Regarde, regarde. Il est aggro close contre moi. Oh, ça ouais. Ne coûte rien. Oui, mais il est aggro. D'ivoire. Ouais, et un Taurus qui met la brutalité sur tout le monde. Alors, je suis d'accord, mais d'abord, normalement, il y a mon mur qui aurait dû jouer. Parce que, genre, il est capitaine, il donne des points à tout le monde. Tu vois, il vient là, il fait regardez, regardez comment on prend des points. On peut pas parce que vous êtes mal placé. Supportable. Hop, ensuite on met à mon beau mur juste ici. Comme ça, il bénéficie de meilleurs amis. Et il def. Alors, c'est un capitaine ça ou c'est un capitaine? Mon capitaine. Oh. Maintenant, bah, on a un Taurus. Il reste plus qu'un. Ah, elle fait quoi sa nouvelle hache? Ah oui, applique le saignement. Oh, ça c'est rigolo. Hein. Il est rigolo ouais, ce monsieur. Sur un critique. Hein. Sur un critique. Hein? Critique, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça, Taurus, c'est une machine à critique. Hein, tout mais monde qu'il le sait. Arrête de gueuler. Oui, qu'il arrête de gueuler, je suis d'accord. Ah, c'est à mon beau mur qui ne craint pas les flammes. Y'a personne qui craint les flammes ici. À part tes archers pourris. Quelqu'un viendra m'éteindre. Ou voilà. Pas. Vas-y, joue un truc. Oh, je vais jouer un truc. Vas-y. Je vais faire ça. Ah, je peux taper que toi? Non, mais je voulais taper lui, moi. Je voulais être sûr qu'on tue quelqu'un. Voilà. Oh, bah c'était un critique, parce que sinon je le tuais pas. Hein. Oui, mais les archers, Zinlan, il est nul. Hein. Zinlan, il est nul. Il a pas géré 5 personnes. Du tout. Il est pourrave. Il a géré les gens grâce à ses meilleurs amis, les officiers. Voilà, il y en a deux qui te présentent des boules là. Regarde-moi ces petits boules de stick boules. Hein. Bah. Je te dis okay. Que ça, hein. T'as vu comment ça gigote sous ton nez? Et au fait, Zinlan il est nul, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Spacette qui l'a dit. C'est Boudache. Voilà. C'était dur, hein. Oh le combat. D'ailleurs, moi je sais pas pourquoi tout. Tu voulais pas y aller, hein. Ouais bah c'est ça, hein, super dur. C'est toi qui voulais pas y aller. C'est toi le pas y aller. Récupère tes composants là. Ah, Tyrius vient de level up. Hop là, campement, phase de camp. Phase de camp, connard, t'es où? Putain. Ouais bah c'est parce que tu cours trop. C'est parce que je cours pas, c'est parce que t'es en train de lire ton chat au lieu d'avancer. Insupportable les streamers, je vous jure. Insupportable. De la viande ou du cuir? Du cuir. Ou... Ah oui, cuir, tiens, prends-toi du cuir là. 3 moustache. Par 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et. 1, 2. Ah, je peux pas pour l'instant, j'ai encore du rat à passer. Je passe encore du rat. Je lui ai augmenté de 2 sa dextérité pour gagner un critique. Ah oui, attends, on va pas passer du rat, on va d'abord passer les carcasses parce que ça pèse plus lourd que le rat. T'as pas un truc pour faire du ragoût? Je crois qu'on avait eu ça. Oui, si, mais j'ai pas ce qu'il faut, parce que rappelle-toi, il faut du chou, du machin, j'ai pas ça, là. C'est à l'autre bout du jeu. Ouais. Par contre, si jamais je trouve du gibier, j'ai de la brochette, je peux faire de la brochette de gibier, je crois que j'ai jamais... Si, je l'ai faite. Ouais. Le ragoût, ouais. Le ragoût, bah, il faut 3 choux. On n'a pas de choux. Voilà, c'est pas la région du chou. Et... Voilà. Juste, je voudrais regarder un truc, vite fait. Est-ce que on a pris la recette du dernier set de... Pas en les arcs en givracier, on les a fait ou pas? Non, c'est niveau U. Hey, on les a pas encore fait? Mais non, mais on n'a pas de givracier. Le problème, ouais, c'est que c'est beau d'aller débloquer les recettes. Alors, on a débloqué hein, le. Non, si, on l'a. Je t'ai pas on fait une couillette? Oui, c'est ça, je t'ai déjà fait une couillette. Tu m'as fait une couillette, c'est pour ça que. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas de givracier, on n'a plus rien, hein, monsieur. On n'a plus rien. Dès que tu peux me faire du givracier, je mets une huile d'affilage sur le. Dès que tu peux nous faire du givracier. Déjà. Il en faut combien? Il en faut 3, je peux en faire 3. Déjà 1. Je peux en faire déjà 2. Mais voilà, le problème c'est qu'il faut qu'on trouve un alchimiste encore une fois. Ouais. Toujours pas changé. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Moi. Bah c'est bon ouais, pour ouais, vous. Ah, est-ce que en bas ton stream voit en attente de Knarfang? Non. Vraiment vous dégoûtez. Vraiment, c'est vraiment que toi qu'on attend tout le temps. Des cadavres, chic, la bagarre. Moi j'ai un boost d'XP hein. Quoi?
Oui, qu'est-ce que vous voulez des... Find them. Find the smugglers. Ouais, d'accord, les contrebandiers. Ils ont les potions. Donner de la viande séchée. Donner des remèdes contre la peste. 200 balles. Bah, Ah, ils prends nous des donnent 200 remèdes balles? contre la peste. En attente de Knarfang. Oui, on l'a enfin eu! Alors attends, ils étaient 5 à avoir besoin d'un remède. Ils sont 3 à... Ok, logique sur 20. Wouah, des meufs! No need to look for the smugglers now. We can give you what we plan to barter with them. Thank you, mercenaries. Ok. I'm not sure we would... Non, rien, prends 200 billets. Bah, 200 billets pour nous, hein. Bah ouais. Je pourrais en refaire. Allez, Oh, hein, y a let's des... go. Marche pas dans les sticks mous! Les crocoports! Les cochons! Les Oh, du cochons! cochon! Est-ce que c'est pas le moment d'attraper un cochon pour voir ses stats? Non! Allez, En plus, pas drôle. on a pas de corde, on a pas Je de suis corde. sûr qu'il nous J'en ai reste une corde quelque part là. La 4. cochon. Alors, ils ont défiance, Crocoport. Chaque fois qu'une unité termine son tour adjacente à une unité ennemie, elle gagne riposte. D'accord. Oh! Gardien des marais, quand cette unité meurt, une nuée de moustiques se forme. Chiant! Ouais, de ouf. Oui, de ouf. C'est qui le meilleur ami de Zinon là déjà? Ah oui, c'est le capitaine. C'est mon mur. Ah, mais dommage, mon mur, c'est ça qui peut être. Morsure pathogène, ça applique le saignement. Oh putain, applique saignement à toute personne. Si elle saigne déjà, lui applique 1 de poison et une charge. Il se désengage. Oh, c'est chiant ça. Il va être chiant, je sens. Oh, il va être chiant, je sens. Oh là. Qu'est-ce qui va être chiant? Non, les sick mou en fait, ils sont neutres. Ils sont ni avec, avec nous. Ni non, avec... ils attaquent, ils se déplacent vers, la créature vivante la plus proche. Est-ce que je peux jouer Zinlen en premier? C'est ce que j'allais dire, mais est-ce qu'ils sont placés, tes trouducs? Attends. Attends. T'as Steven qui est tout seul dans un coin. Il est où? Ah oui, je l'ai oublié ce connard. Ah oui, tiens, il est là. Exact. Bien vu. Pourquoi t'as Ninja Gueudin, elle est partie? Ninja Gueudin est parti. Bon, démerde-toi. Mélanine, elle est mal placée. Dena, elle est mal placée. Voilà. Mélanine est mal placée. Ouais, elle est un peu en oui. retrait. Oui, et je rappelle Dena... que le meilleur ami de Denal, c'est Taurus. C'est Taurus, mais en vrai. Bah, au moins, il sera au centre. Il pourra décider ouais. d'aller tirer où il veut. Et Mélanine va aller là. Alors, ça... j'ai même envie de dire, techniquement, si on voulait bien faire, faudrait que j'inverse Taurus et Denal. Pour que j'ai plus de monde dans ma zone. Pas faux. Voilà. Donc je vais les inverser et je vais jouer en premier à mon beau mur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Et que je vais aller générer ouais. un point 2. Et que j'en ai rien à foutre des gaz toxiques. C'est vrai, toi t'en as rien à foutre de rien. Je respire de la botte de barbare depuis que je suis tout petit, ok? Regarde, qu'est-ce que j'en ai à foutre du poison? Bah rien du tout en fait. Qu'est-ce que c'est du Mais poison lui, il finalement? Botte. Oh, 59. Écoute, ça va dans le groin ma gueule. Coup de couteau de cuisine! Coup de couteau de salle à manger! On est devenu si faible! Oh. Ça par contre c'est moche. Meurtrier de tous les temps. Et mon meilleur ami vient de partir. Oh, il s'est barré comme un con! C'est pas grave, on va te rattraper ça, bouge pas, gamin. Voilà. Oh, sérieux. Tu seras galvanisé maintenant. Brutalité, ok. Voilà. T'inquiète, si, faut bien un capitaine pour tanker un peu. Si, avec une inspiration il aurait pu revenir, mais il a décidé que non. Bah non, je pouvais pas parce qu'avec. Je n'ai été libéré et je n'ai gagné l'inspiration oui. que sur le tour du port. C'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Maintenant tu peux aller zoner parce que maintenant tu sais qu'ils vont tous aller sur ton capitaine préféré. Et tu peux toujours ouais. être collé à Edenal, tranquille. Et au bas de la passerelle, au bas de la passerelle. Laissez de la place pour les gens qui voudraient passer. Voilà. C'est possible. Ouais. Et si je le mets comme ça, c'est déjà pas mal en fait. Tac. Oui, c'est large. Hein. Oh oui, c'est très large. Avec un capitaine qui traîne dans le poison, avec des gens enflammés, il en a rien à foutre. Saignement pour ma gueule. Triste. Ça dans. C'est quoi le prochain port à jouer? C'est un mec qui n'est pas dans ta zone. Si, il est dedans. Il est dedans?
Il bougera, il prendra. Ok. Ouais, ouais, il est dedans. Ouais, il est dedans. Ouais, il va prendre. Qu'est-ce qui peut nous générer du point là? Rien. C'est une Sophia qui peut aller buter le crocoporc. Sophia, quel crocoporc? Celui-là. Je vois même pas lequel tu parles là. Celui qui est sur. Celui qui est sur Mélanine. Non, mais on s'en fout là, et ça il a joué, lui on s'en bat les couilles. Je suis une fois. Non, avancer Denal peut-être, pour dégager la passerelle, tu l'avances pour attends. Libérer l'espace, et tu amoches le cochon pour être sûr qu'il crève. Je te propose un truc. Ça va être forcément une mauvaise idée, mais vas-y. J'allais dire Sophia. Je sais pas comment tu fais pour le supporter, vraiment, on oublie de le dire, hein, mais t'as le moral. Hein. Parce que je suis très résilient, hein. C'est un joueur d'héroïque. Ici... Ouais, ça. Vas-y. Je viens ici avec Sophia, je pose l'ordre tactique sur Zinlen, Edenal, Taurus. Edenal n'ayant pas encore joué, il va générer 2 points au prochain tour. Zinlen va en générer sur chaque kill qui va faire 2. Donc ça peut être très intéressant. Non. Non, parce que ça veut dire que notre capitaine il continue à prendre plein la gueule et potentiellement dans le dos. D'accord. Bon, dans ce cas-là. Enfin, voilà quoi. C'est là, l'idéal, c'est quand même de tuer quelqu'un pour éviter qu'il fasse des dégâts, machin et tout, hein, aussi. C'est... Bon, certes, le capitaine, attendez, il est solide, mais... Je veux juste voir un truc. Ouais. Hop, là, tu passes ton tour, tranquille. On a gagné 2 points, déjà. Et on peut faire des choses. Mais je... Ah, tu veux faire autre chose, tu peux faire autre chose, monsieur. J'aurais pu utiliser. Celui-là, n'a pas... celui-là, il a joué ou pas? Celui-là, je crois pas. Non, qu'il il, a joué, pas encore... il a pas encore joué, mais si tu peux éviter de gaspiller des points comme ça, les lieutenants peuvent poser leur zone, parce qu'il n'y a pas que tes archers sur terre. Ok. Crevard, ordure, salopard. Monsieur, crevard, s'il te plaît. C'est à ce crocoport-là de jouer. Il intéresse aucun de mes officiers qui est beaucoup trop loin. Donc si justement là tu veux prendre par exemple une coutelière pour t'amuser avec, c'est le moment. Non, j'allais prendre une tirailleuse qui va le ralentir et le faire reculer en fait. Tu veux dire qu'il est Hercule? Poiron. Ouais. C'est ça. Oh la ref incroyable hein. La ref incroyable que vous avez pas ton tube. Oh chiotte. Bon. Tu veux dire toilette? Je suis obligé. Pas assez de mouvement. Ah, il a claqué les points des lieutenants. Voilà, les lieutenants. Je peux plus poser de zone avec mes lieutenants. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On meurt? Bah voilà. Super. Bah, où est Hans de Barbe d'ailleurs? Bah, dans un coin. Là, on l'a abandonné. Il est dans son coin là-bas. Voilà. Il bougera pas. Bah, tu te débrouilles, y'a pas de points, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle peut aller faire, la fifi, là? Elle peut aller engager quelqu'un? Je peux aller tabasser un cochon. Voilà. Oh, quelqu'un. Je vais me suicider. Os de Bard, le useless. Oui, Os de Bard a pris la place de Zinlen, le useless. Bah, ouais. J'essaie de faire jouer les autres victimes, en fait, mais. C'est pas. Voilà. Pas mal ça. Prochain ouais, port à jouer, cool. C'est toujours là-bas, ça regarde personne. Je vais pas me gêner, je vais prendre des officiers de marine. Voilà. T'aurais pu le faire avant. Quelle médiocrité. Qu'est-ce qu'il joue après? Putain, faut vraiment que j'embrouille tous les ports de l'univers là, vraiment, c'est vraiment ça. Ouais, super. Bah, let's go, je vais embrouiller tous les ports de l'univers. T'as fait combien de critiques d'affilée là? Alors, des fois, t'en fais pas, mais alors là. Oui, mais je te rappelle, on a augmenté sa stat de crit, monsieur. C'est vrai. Ah, triste. Ah, ça l'a pas tué. C'est bien dommage, ça. Un peu triste. Et ben... Et encore, t'as fait un critique, hein. Ouais, t'es à 27% de chance de coup critique. Je suis emmerdé, là.
En fait, je me pose la question, est-ce que mettre des huiles d'affilage sur toutes les armes, en fait, c'est pas le meilleur bail? 10% de chance de coup critique. Allez, un critique? Parfait, suffisait de demander. Je sais pas, parce que t'oublies aussi que, genre, 10% de force, ça te fait... Bah, ça te fait ouais. Bah, 10% de dégâts supplémentaires, et ça te fait genre... en dégâts critiques, ça te fait genre beaucoup plus. En réalité, alors, par exemple, 10%... ton huile d'affilage de 10% de chance de crit, est-ce que c'est aussi intéressant que 10% de dex, par exemple? Ah bah, 10% de dex, c'est pas énorme, en vrai, hein. À l'heure actuelle, ça nous en fait gagner. 10% de 60, c'est 6, on est d'accord? C'est 6. Ouais. Donc ça te fait déjà gagner au moins 6 dégâts supplémentaires. Enfin, dans ton, si tu fais 100% de dégâts, ça te fait 6 dégâts supplémentaires. Et ça te fait 3% de critique supplémentaire, c'est ça? De chance de coup critique? Non, non, parce que ça monte plus autant, aussi bien après. Hein. Après, t'es capé à un moment donné. Tu peux augmenter tes chances de coup critique. En dégâts critiques, je suis à plus sur mes archers, je suis à plus 88%. Tu vas me jouer tes abrutis là? Ah oui, t'inquiète. Tes connards inutiles. Gens qui ne servent à rien. J'ai fait un. Que Woodage je déteste tous. Au plumage. J'aurais pu dégager. Ouais. Voilà. Ça c'est fait. Je suis obligé de passer dans le poison. Oh, chiant. J'ai presque pas envie en fait. Hop. Tac. Bah, je vais terminer là. Hein. Parce que j'ai pas envie d'aller me. Ouais. Je vais me replacer vers vous. Par contre, pourquoi t'as si peu de mouvement? Ah, parce que tu t'as pas réinitialisé. Bâtard. Ouais, ça ne serait pas arrivé si on avait eu des points. Non, je tiens à préciser. T'en avais des points. Hein. Non, on n'avait pas les deux points quand j'ai joué mes gars. Si, on avait pas les deux points. Non, on n'avait pas les deux points. C'est justement parce que j'ai joué mes deux gars que j'ai pas utilisé. Que j'ai pu avoir. Je te rappelle quand ils finissent à côté des gens, tout ça. C'est vrai qu'on a eu des points. Et t'as tué quelqu'un. Et t'as tué un porc, ça fait le deuxième point, pour être précis. Hmm. Regarde, tu peux le capturer. Ouais, je peux le capturer. Prends le cochon. Prends le cochon. Vas-y si tu veux. Hein. Allez, on va voir les stats du cochon. On va voir si elles ont changé. Eh, hey, c'est pas là du tout que j'ai, où j'ai visé, hein. Je sais pas, hein. C'est n'importe quoi. Je vise ici. T'as visé où? Ah, ouais, bah non. Oui. Je vise ici, il me balance là. N'importe quoi. J'aurais pu aller le buter. Voilà. Oh là là. Tous mes gars sont morts à cause de tes erreurs. Ouais, ouais, et The Bar ne sert à rien. Exactement. C'est quoi, je pourrais même lui faire passer son tour, ça serait hyper drôle. Ouais. Alors on rappelle que si je tape deux mecs, je peux faire trois attaques. Hein. Je peux taper trois mecs. Je tape deux mecs, je peux faire trois attaques, c'est bon ou pas? Wow. Et il est glorieux hein, après. Il est glorieux. Il est toujours glorieux. Comment tu veux que ça en soit autrement? C'est pas une idée de jeudi de bois, t'as? Tu fais, hé, mon capitaine, alors, si je tape personne, je me tapais trois fois. Spacet, jamais il aurait pu buter le chef, il est pas assez bon. Non, mais surtout, paye la taille du pavois du capitaine. Mais par contre, il a quand même fondu toute son armure, hein. Il y a plus d'armure sur le capitaine, hein. Ça m'a un peu morflé. Voilà. Il est pas engagé, lui? Bon, j'en veux pas, alors. Mais pourquoi t'as... Ah oui, ouais. Parce que la Fifi, elle est compétente. Pour... Attends. Attends, c'est quoi ça? Perd un point de santé à la fin de son tour. Mais même ça, c'est nul! Mais même ça, c'est nul! Bah, je lui ai mis une huile infectueuse.
Donc il a pris 96. Bah, il perd 43 PV à la fin de son tour. Ouais, c'est à la fin de son tour, c'est nul. C'est comme tous les poisons et tout le bordel. Hein. Ouais, mais c'est vraiment de la daube. Hein, Bah le truc c'est que ça vaut pas mieux qu'un poison quoi. Mais par contre, faut reconnaître que si c'est c'est le même logo que le poison, donc à voir si par exemple comme huile sur ta dague empoisonnée, c'est pas. Enfin non, c'est le même logo que le saignement, je crois, c'est ça, c'est quoi? Ouais, c'est le même logo que le saignement. Ça peut être peut-être intéressant sur quelqu'un qui a du poison. Voir si ça les consomme tous, justement. Ouais. Ouais, ce serait pas mal. Je continue ou pas? Je déroule? Attends. Vas-y, tu peux dérouler. D'accord. Et là, ça fait 2 points. GG, et tu peux les galoper. Pas avec elle. Pourquoi? Bah, elle galope pas. Hein. Ah. Galope pas? Non, par contre, il y a Taurus qui m'emmerde là. Je peux pas passer. Ah, si, je peux passer. On va y aller avec Zimlen. Hein. Écoute, on a max 2 points donc on va en profiter. Hein. Max 2 points, mais tu veux faire quoi avec Zimlen? Juste ça. Je vois pas en quoi c'est. Du coup, max de points, je vois pas trop le. Et par contre, j'espère que t'es pas au milieu là. T'es au milieu là ? Ouais, je suis au milieu, mais regarde. Ouais, je regarde, ouais. Ouais, voilà. Bon, au revoir. D'accord. La rage en soi est super forte. Hein. Crocopore a débloqué le trait endurant ! C'est mon cochon ! C'est mon cochon ! Mon cochon ! Laisse prendre ton gras. C'est mon cochon. Attends mon cochon. Allons voir mon cochon. Alors, c'est un cochon. Ah par contre, c'est toi qui le récupère. Élevé par des sangliers, malchanceux. Faut l'appeler Shinai. Critique réduite 3%. Ok, on peut l'appeler Shinai tout de suite là. Hop là. Et bah il a les mêmes stats qu'un cochon de base. C'est juste un crocoport. Même les compétences amélioration, peau épaisse, sanglier de trait. Attends, c'est plus les mêmes trucs. Si, c'est les mêmes. Il y a eu sanglier de trace, ça existait ? Ouais. Ok. Bah, il nous sert à rien. Bah, t'as qu'à le mettre en sanglier d'élevage et tu es là-bas. Voilà, ça te générera 2 points. Et c'est quoi la fin ? C'est frappe déconcertante, applique déstabilisation. Sur un critique. Cette unité gagne 5 en colère. Ok. Oh, c'est drôliné, hein. Mm. Par contre, c'est une constitution, j'ai envie de dire, de porc, mais tu ne me croirais pas. Attends, t'es vraiment en train de faire des plans de carrière pour lui, là? Non. Est-ce que tu vois nos points descendre? Non, justement, je te voyais augmenter le point, mais... Et tu fais quoi? Tu l'abats derrière? Oh, pour l'instant, il peut aller au camp, si tu veux qu'on gagne un peu de bonheur. Et il peut nous faire trouver des champignons. Vas-y. Vas-y. C'est un peu mon cochon. Mais il consomme de la nourriture. Bah oui, mais c'est un peu mon cochon. Ok, c'est ton cochon. Et en fait, j'aimerais voir s'il va au combat ou pas. Si t'es obligé de l'emmener au combat toujours ou pas. C'est ça que j'aimerais voir. Papon, hein. Le papon. Oh, cette vitesse de déplacement. Pff, impressionnante, hein. Oh, j'ai l'impression de faire un speedrun. Oh là, attends, il y a du métal, là. Métal. Oh là, il y a une bagarre là-bas. Oh, putain, passadinge. Super, un moustique cardinal a piqué. Hop là. L'aide. Tiens, je te rends ça. Tu t'es fait bully là, je crois, non? Inspecter des cadavres. Il y a du pognon là. Hop. J'ai eu un cadavre. Hop, il y a un cadavre là. Du pognon. Un cadavre là, pognon. Ouais, y'a des. Je récupère la solde. Hein. Inspecter. Oh, y'a des trucs à voler là. Oh, la quantité de choses qu'il y a dérobées ici. Ouais, on est déjà à 2 étoiles. Hein. Oui, bon, c'est pas comme si on avait la justice qui allait nous tomber dessus dès qu'on allait quitter cet arbre. On leur cause peut-être, hein, le marchand Huck. Ouais, on va leur causer. Salut, marchand. Ouais, il a l'air opprimé. D'accord. Hein.
Comment ils vont, ces braves gens? On a l'air très occupés. Ou on leur pourrit la gueule? Oui, ou on le dévalise vas-y. D'abord un peu, le marchand? Non, on leur pourrit la gueule, parce que sinon, il va nous voir. Oh, il y a un pestiféré d'élite. Et Doda. Doda, est-ce que Doda est recherché par la justice? Oh, est-ce qu'on peut récupérer un pestiféré dans la squad? Oh, ça y est. J'ai plus de barres de métal, là. Les gens qui ont l'air ultra métal dans leur vie, tu vois, on en a plus. Ah, oh, je vois un spot pour Os de Bard. Alors attends, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont. Il y a un spot ici aussi. Alors, est-ce qu'il y a pas la place 39 là à 49 et applique fièvre. Ah ouais, chaud. Vomissement. Mm-hmm. Chaque fois que cette unité s'engage, elle crée une zone de poison autour d'elle. Ah, chiant. Pyrophobie. Cette unité. Dégâts subis du feu augmentés de 50%. Ah, cool. Réflexe lent, les dégâts d'opportunité sont réduits de moitié. Ouais. Alors. On dirait des zombies de Heroic KO, mais plus vénères. Eux, plus vénères que des zombies de Heroic KO, je suis pas sûr. Ça dépend. Pas sûr. Ouais, c'est un combat pour Zinlan et Edenal, du coup, oui. Je vais y mettre. Il faudrait. Alors, tireuse, on va laisser en soutien ici. On va mettre Zinlan ici. Edenal pas loin. Voilà, il faut que Zinlan soit un peu plus à distance parce qu'il a pas encore monté sa compétence. Là, il y a beaucoup de monde. Mélanine, on va la mettre ici. Je serais toi, j'aurais bougé non, Sophia, Zinlan et Edenal. Hein. Pourquoi t'as os 2? Bah, déjà, t'aurais été plus au centre. Et et donc t'as un meilleur positionnement. Ça permet à Sophia de se déplacer n'importe où elle veut. Par exemple. Ouais. Zinlan il est trop en arrière, Sophia est trop en avance. Sophia elle peut courir partout, arrête de mettre Zinlan loin des trucs alors qu'il a pas de move l'autre con. Il a zéro move. Ouais mais Zinlan, le problème c'est que Zinlan il a une compétence qui nécessite de frapper à plus de 8 mètres. Voilà. Tu frapperas forcément là, plus de 8 mètres, même si tu le mets à la place de Sophie, non? Bon, bah vas-y, c'est toi le patron. Je vais jouer le gros. Tu veux pas générer des points avant? Ok. Bah non, je tape avec le gros, parce que je fais par ordre toujours de priorité des gens qui jouent. Ouais. Donc je vais masser des côtes. Voilà, massage de côte est effectif. C'est bien parce que vu qu'ils ont des malus, tu as 20% de chance de critique supplémentaire. Si Zinlan va tuer, t'inquiète. Ah, ouais, en fait, Zinlan va servir à rien. Engagé. Voilà. Zinlan ne va plus servir à rien. Pas à grand chose là. Le sachant prochain que jouet, il est du côté de mon mur. Ouais, j'ai bouffé tous les points. Ça t'emmerde, hein? Hein, ça te fait chier, hein? Tous les points que je génère avec mon capitaine précieux et indispensable. Pas comme Zinlan. Parfaitement remplaçable. Ouais, il en dépense 2 pour en générer 4. Ça va. Et il a réussi à m'infliger du poison? Non, c'est lui. Ah non, je suis un nuage de poison autour de moi. Ok, d'accord, nuance voilà, technique. Et le poison les soigne, eux. Ok, bon, bah je peux pas le taper plus. Un cochon! Regardez, c'est Shinai! Il est con, le cochon. Ah non. Ouais, comme quelqu'un d'autre d'ailleurs. Non, ça m'intéresse. Tes archers de merde m'intéressent pas. Ils n'intéressent personne. Ce qui est la vérité en plus. Ah ouais, c'est vrai que je peux faire ça moi. Très drôle. Super drôle, non? Il a pas la course, mais il a de quoi tirer très loin. Voilà. Ce qui est très drôle encore plus, c'est que tu viens de bouffer ton attaque boostée à 150% pour buter un truc qui allait mourir s'il mettait une tarte à ton capitaine. Ouais, aussi. Mais c'était drôle. Ouais, c'est drôle. Putain, t'as vraiment aucun humour. Hein. Bon, je gère vite fait tout ça. Hein. Ouais. Ah, donc, ok. Donc, ouais, ok, pas de soucis. Ouais, je gère, hein. Ok, hein, on dit que je fais c'est ça. C'est bon, vas-y, gère. Joue tout seul, en fait. Joue tout seul. Y'a pas Os de Bard qui va se prendre une miche à cause de toi. Et on s'en fout, Os de Bard, c'est un tank. Il en a rien à carrer. Vas-y, oui.
Ah, c'est bon pour toi? Vas-y, c'est bon, tu peux jouer. Hein. Continue de clic gauche, clic droit. Hein, Voilà, t'as gagné un point. Maintenant, tu peux poser la zone avec Zidane. Ouais. C'est du génie ou pas? Oui, c'est pas grave, une fièvre. Qu'est-ce que c'est, une fièvre? C'est dégâts subis augmentés de 10% cumulables. Super. Si ça intéressait quelqu'un. Ça vaut même pas le coup de poser une flèche, une un truc. Bah oui, mais le problème c'est que si tu le fais pas, vous allez vous prendre un zombie dans la gueule. Non. Ah non, ça va, c'est Osdebard qui va se le prendre dans la gueule avec un peu de chance. Après, oui, je peux te la caler, hein, si tu veux. Non. Oh, arrête, putain, avec tes points de merde, là. Oh, il bouffe tous les points. Il sert à rien, regarde, il tue personne. C'est un scandale, il fait honte à tout le monde. C'est pas lui qui l'a tué, c'est le feu. Mm-hmm, le feu qu'il a lui-même appliqué. Oui, sur, du coup... Vas-y, hein, joue, hein. Vas-y, hein, vas-y, joue tout seul, hein. Joue tes lanciers nuls, hein. Voilà. Parfait. Riposte. Bah il en reste 3, je te laisse te démerder avec eux là-bas. Hein. Ouais. Sauf si avec Kyrius tu voulais prendre des points en tuant les deux gars. Hein. Oui, il y a ça. On sent que vous êtes des bros. Non. Qui là il se fait enculer l'autre faux breton là, parisien de je ne sais où là. C'est un faux breton, hein, Oudash. C'est un breton, mais il est trop grand pour être un breton. On fait quoi? Ah non, mais on se bat, attends, yo. Hein, il reste un connard, hein, l'XP. Hein. Ouais, l'XP, l'XP. Ah oui, mais personne peut aller le chercher, c'est ça le projet. Si, regarde. Calmos, course, calmos, le routier, là, je vais te faire courir, moi. Oui, une petite course, regarde. Hop, voilà, Sophia, ça c'est bon, ça. Oh, avec une dague de l'ogre, hein, ça changerait tout. Ouais, avec une dague de l'ogre, ça changerait tout. Oh, 150, 150. Est-ce qu'il a vu, Zinlen? 150, là. Il les a vus ou pas? Zinlen fait plus de dégâts. Zinlen ferait plus de dégâts. Hein. Non. Il fait pitié, c'est tout. Mais pitié, c'est des peu près tout. Bon, parlons à ce monsieur. 187 tout à l'heure. Oui, Space 7, oui, oui. Thank the eye, you came to my rescue. I'd like to give you a token of my gratitude. How about this? Ah, il nous donne deux épices, c'est cool, merci ma gueule. On aura au moins deux marchandises officiellement déclarées. On peut toujours le piller. Ah, on peut toujours le piller, hein. Vraiment, je tiens à préciser, c'est toujours dans la mesure du possible. Ouais. Alors attention, prépare-toi à sortir pour prendre le camp, hein, tout de suite. Hein. 3, 2, 1, clic. Et on peut pas, on est déjà gros par, les, par la justice. On pourrait payer. Pourquoi? Avoir volé le clan. Mais c'est des paysans. Bah peut-être pas payer non plus. Qu'est-ce qu'on combat si je... On peut se taper aussi. Ah vas-y. Objet volé. Mais attends, mais objet volé, on s'en fout. C'est un charbon en fait. Ouais, c'est juste un charbon. Bah tiens, madame. You are wanted for a number of crimes. We will not let you go until you have paid the fines you owe. Ah, faut quand même. Ah si, en fait, tu rends pour rien en fait. On a perdu un charbon pour les taper quoi. C'est ça le projet. C'est vrai. Parce qu'on va peut payer là. Pourquoi on peut payer hein. On n'a pas d'argent. Si tu veux hein. Tu veux qu'on paye? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent. Tu veux qu'on paye le crime? C'est toi qui vois. Hein. Osef, hein. Après, on serait libre. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait prendre le truc sur la bannière. Non, mais c'est pas grave. Eh, aussi, eh. Il y a pas dans les défis de tuer des forces de l'ordre? Si, allez, vas-y. Allez, hein, à un moment donné. Et les prochains, on leur paiera, dire oui, on avait juste besoin de tuer vos potes, ça va, une fois au chalet. Ça arrive! C'est un petit peu énervé quand même. Ouais, ils sont un peu au niveau 9, on est niveau. Ouais. On n'a pas un point. Bah, ça, c'est la faute de tes lancers de merde. Et bien sûr. Quoi? T'as pas goûté à part. Ouais. Mais bien sûr. Il ne dit rien pour ça, hein. Mais bien sûr. C'est cela, oui. C'est cela.
Ah, j'ai mon jeu qui est en train de crasher là. Ouais. Ah, on est passé soupçon 3. Ah, soupçon 3. Viens, après, génial. On passe niveau soupçon 4. On vole des gens et tout. C'est rigolo. Non, on tue des marchands, c'est très drôle. Oh, il y en a, il a un casque. Ou un casque de métal, leader. Officiel. Ouais. On a un leader officiel. Bah oui, renfort en approche, des renforts en rejoignant. Ah, il y a des gens qui vont arriver en plus. Oui. C'est méga super drôle. Alors ouais, par contre, moi je veux l'arc de guerre. Très clairement, je veux l'arc de guerre. Plus 34, quand ça fait un critique, ça fait une deuxième attaque. Zinlane va se faire plaisir. Qu'est-ce que... Pourquoi les squads, elles, à l'autre bout du monde, là? Oui, il y a les forces de l'ordre, elles sont d'un côté, toute l'escadrille est de l'autre côté. Ah, mais il y a des gars ici, d'accord. Ok, il y a 3-4 connards, quand même. Bah, ils sont 10. Je te propose de tout mettre à gauche, loin du leader, parce qu'ils vont arriver tous. Il y en a un qui est déjà collé au leader. Hein. si tu pètes le leader, si on pète le leader, ils auront plus l'inspiration, ils pourront plus venir nous chercher comme ils veulent. Bah, c'est pour ça que j'y vais avec le gros. Ok. Le problème, c'est qu'avec le gros, j'ai pas de points. Ça, c'est emmerdant. Bah, ouais. Donc, je vais pas pouvoir l'aggro. Je vais pas pouvoir l'aggro. Et leur fantassin, la con, il va jouer. Est-ce que je mettrais pas un Taurus dedans? Est-ce que ça aurait pas été intéressant que tu mettes une Sophia dans l'oreille de l'autre avec son bouclier? Tu le tomberas jamais. Jamais je tombe, hein, 45%. Jamais. Tant qu'il a de la garde, je pourrais pas le tomber. A la limite, avec Sophia, je peux être essayer de te tomber la capitaine, mais j'ai pas de points. Donc c'est emmerdant. Oui, c'est ça, personne n'a de points. À cause de Zinlane encore. Ouais. Celui qui en génère le plus, hein, après ton capitaine. Bah écoute, moi, le placement, il est bon. T'es sûr? Pourquoi, qu'est-ce qui va pas? Ok, non, je te demandais. Non, mais qu'est-ce qui te dérange? Quoi? Moi, c'est Denal qui me fait un peu peur, en fait. Bah, Denal, c'est pas moi. C'est son placement, frère. Voilà. Pas le mien. Mélanine, non, si je la mets. Ok, c'est bon pour moi. Vas-y, joue. Ok. Je joue le gros, alors. Vas-y, vas-y, je vais jouer le gros. Si tu peux tomber la capitaine, ça peut être bien. Est-ce que ça l'aggro si je me mets l'un et que je l'amasse? Non, ça l'aggroira jamais. Hein. Jamais de la vie, ça l'aggro. Jamais ça l'a... Je veux dire, ça l'engage. Non, quand tu as plusieurs cibles, non. Je lui ai absolument rien fait. Je vais ceci dit me placer de manière à vous offrir... voilà. Son dos. T'as un point. T'as intérêt de l'investir, mais très très bien. Comme Jaja. Voilà. On va économiser les deux points. Je vais aller me mettre... Bah parce que déjà je peux pas aller me mettre dans son bac, que c'est bloqué, le passage est bloqué. Et je n'ai aucune autre attaque qui est intéressante à aller faire autre. Donc je vais juste venir me mettre ici. Et puis ce sera déjà pas mal. Lui ne joue pas, prochain à jouer c'est lui, il n'atteint personne, donc il est négligeable. Le lieutenant, personne n'est touché. Bah tu peux aller jouer Zinlane par exemple si tu veux. Hein. C'est attendre à 3, c'est maintenant le moment de poser ta zone quoi, puisque à un moment donné ils vont venir quelque part. Hein. Je suis un peu deg. Ils sont pas assez collés pour que je puisse mettre du feu sur plusieurs. Bon, on va mettre là. Hein. Mais mets du feu quand même d'abord. Hein. Ouais, non mais... Ouais, il prend la sauce le pauvre petit. J'ai peur que le choix soit pas...
paraît pas mal. Ok, ça va, voilà. C'est bon, ils sont cons. Oui, ils le sont. Hein. Ouais, parce que j'avais peur qu'avec le feu, ils se disent, bon, bah vas-y, on va faire demi-tour, on va aller taper le gros là-haut. Non, ils passeront toujours dedans. Mélanine, faudra que je la joue sur donc ce donc, nous, il n'y a rien d'autre intéressant. Si tu veux continuer à les pilonner, un grand coup de pilon, hein, tu peux y aller. Oh ouais, je vais faire reculer le lancier, là, la phalange. Que très clairement, il va m'emmerder. Ça recule. 118. Hop. Et puis, toi, tu vas aller tabasser le gros. Ah, le lieutenant va me faire chier, il va falloir que je joue Edenal pour le faire chier. Mais t'avais pas une autre flèche de base que tu pouvais tirer? Si, mais... Bah, pourquoi tu l'as pas tiré dans le bouclier? Dans le boubou? Ah, mais c'était pas pour le bouclier que je la réserve celui-là. Hein. Bon, je parle avec tirailleuse. Ah, hein. Oui, mais le problème c'est que... Ah, il va me manquer un point. Oui, alors excuse-moi, tu peux répondre à cette question, t'as tiré une flèche pour repousser, mais c'était une action spéciale ça, c'est pas l'action de base. Si, c'était l'action de base. Ah, c'est son action de base, ok, j'ai rien dit alors. Est-ce que je t'ai apporté? Oui. Alors là, je vais utiliser l'action spéciale, parce que je veux pas qu'il vienne nous mettre un saignement. Voilà. Il est ralenti, il viendra faire chier personne, et il va aller dans les flammes comme un gros con. Non, bon, c'est pas grave. Il touchera personne. Il a été géré. Bah, je t'invite à jouer, toi, parce que t'as un tacticien qui va jouer. T'as trois personnes pour aller le flinguer, donc... Fais-toi plaise. Multitude de force. T'es pas obligé de tout mettre entre eux. Ouais, attends de voir. Tu peux continuer de jouer, hein. Moi, oui, il n'y a plus que moi qui est dédommé. Brutalité. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'ils vont arriver. Parce que ça aurait été bien de qu'on le sache, ça. C'est dommage. Ton lancer de hache est cool. Il est formidable. Oui, il est formidable. Mais ta première attaque... fais en sorte que tu mettes 150% de dégâts sur ton passif. Et là, tu viens de le bousiller sur une hache. Bah, c'est formidable. Ouais. Mais en fait, j'avais que mon attaque de base. Vu que j'ai pas de points, j'avais pas mon triple coup. Et bah, tu pouvais faire l'attaque de base. Ouais, mais je m'en fous, j'ai lancé ma hache parce que j'avais envie de lancer ma hache. Parce que ça te rend fou. Comme Zinlen quand il fait de la merde. On m'en fout aussi. Voilà. Bah, voilà. Ouais, bah, ouais. Voilà. Sachant que c'est peut-être l'attaque la plus worse de l'archer, hein. La zone ouais, que t'aimes pas. Ça n'empêche que c'est quand même qu'un archer, quoi. Ouais. Sympa. Ah, ça c'est les coups de dague qui donnent des effets divers et variés. Oh si, il te reste quelqu'un. Ouais, mais c'est pas intéressant ce que je suis en train d'essayer de faire là. Bah alors le fais pas. Ouais. Il me faudrait un tank ici. Hein. Glorieux, bon c'est bien. Et le croco-porc. Alors, bon, ils m'ont marqué des renforts ennemis arrivent. C'est quoi ces renforts nuls? Je sais pas où ils sont arrivés. Hein. De mon côté. Comment ça alors de ton côté J'ai un fantassin qui est arrivé. Ah non, j'ai deux gars tout en haut là. Tacticien. Défenseur phalange, je vois. Ah oui, au large. Au large, au top, il y a des gens qui sont arrivés. Mm-hmm. Et moi, c'est sur mon côté. Ah oui, un fantassin ici. Uh-huh. Vous en cachez d'autres là ça va pas l'air. Bah, moi, il y a le fantassin qui va jouer, donc il va falloir que je le. Pète avec le combo Zinlen et tirailleuse. Donc mais je vais faire ça tout de suite. Ah oui, ok, oui. Parce que j'allais dire Zinlen, il peut pas tirer pour l'instant, il y a sa zone. Tu recules. Parfait. Et
tu recules une seconde fois. Merci. Ah si, ils t'ont quand même ajouté, il y a d'autres gars avec le marteau, tout le bazar. Parfait, merci Zinlen. Et puis, bah, je pourrais remettre une zone après. La phalange. C'est moi ou il y a la slide? Il a méga slide. C'est lui qui joue. C'est lui qui joue. Est-ce que je le repousse avec Edenal un maximum? Qui ça, de quoi? Ah, leur lieutenant là? Ouais, Vas-y, pousse-le, hein, n'hésite pas. Attaque de base. Décale-toi pour faire quand même de l'amitié avec Sophia, tout ça, et puis comme ça, ça te permettra de finir à côté de quelqu'un. Ah oui, mais tu peux pas. Ah si, bah voilà, tu peux. Formidable. En plus, je gagne le trait supporté, formidable. Ouais, mais ce sera après. Ok. Désolé, parce que sinon j'ai peu de chances de le toucher. Ouais. Hop. Voilà. Par contre, tu pourras pas mettre ton attaque de base puisque je suis à côté de toi. Je pouvais pas aller plus loin. Mais si, t'inquiète. Tu prendras un peu. Non, lui il va pas prendre un petit peu. Allez. C'est de ton côté que ça joue. Ouais, c'est de mon côté que ça joue. Est-ce que allez, ça un petit coup de savate pour enlever la garde. Oui, c'est un petit coup de savate pour enlever la garde. Un critiqueur, c'est. Hey, mais ils mettent tous de la confusion là, c'est quoi vos couteaux là? Non, son couteau il donne rien. Donc, par contre, je veux bien le couteau. Hein. Plus 21, ça me changerait un peu. Hein. En fait, c'est ferveur 17, de la loi. Les gardes, les dégâts des attaques d'opportunité des unités sont augmentés de 25% et appliquent confus pendant un round. D'accord. Et confus, ça, cette unité ne peut pas recevoir de bonus, ne fonctionne pas sur les champions. Un champion, hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Narfondo en train de se ridiculiser. Voilà. Ouais, mais je le fais bien. Ouais, mais tu le fais très bien. Encore de ton côté qui va jouer. Ça va être le lieutenant, et là je pense qu'il va falloir que tu le gères parce que sinon ça va pas te faire du bien. Ouais, oui, on est en train de. Non, on est en train de les buter. Il y a eu des renforts. Tu vas prendre très cher. En fait, il y a eu des renforts, ils ont récupéré. On en a buté combien Ah, j'ai rien pris du tout. Ah ouais. C'est ça, il le professionnalisme. Il avait je suis emmerdé. Ah oui, parce que je suis pas engagé. Tombe sa garde. Il en a pas, hein. Ici, on joue compact. Tu joues compact. C'est à toi. Ouais, c'est un défenseur ici qui va jouer. Comment je vais le gérer? Bon, en fait, je vais pas le gérer. Regarde ce que je vais faire. Je vais aller courir par là. Zinlan, il y a les points pour poser une zone. Oui, mais j'ai pas envie que Mélanine prenne des dégâts, en fait. Parce que regarde, là, il bouge, mais... Ah, ok, il l'atteint pas. Ok. Par contre, le lieutenant, oui. Le lieutenant, oui, il va m'atteindre. Donc là, il va falloir poser de la zone. Hein. Oh, même pas en fait, regarde. Ça va être très simple. Si, il m'atteint. Fais chier. Bon. Et au moins ça ne sera que sur une seule personne et pas deux. Bah oui, c'est dommage. De quoi? Non, par contre ce qui est dommage c'est la façon dont t'as posé ta zone, t'aurais peut-être pu avoir le fantassin aussi. Pourquoi faire le fantassin? Bah pour le repousser dedans par exemple avec tirailleuse. Comme ça il y avait vraiment que Zinlan qui était concerné, puisque vu qu'il était bloqué par un lieutenant, il aurait pu juste l'aligner et elle se serait tirée, tu vois. Enfin oui, voilà, mais, tu vois ce que je veux dire. Elle va le repousser dedans en fait. Oui mais tu. Ah oui, ça a poussé assez, ouais. Ouais, ouais, ça, voilà. Ça, ouais, mais... c'est... Ok. En fait, l'autre garde, il t'aurait tapé en même temps, mais il aurait tapé tirailleuse aussi, et ça aurait infligé un saignement sur les deux. C'est pour ça que je me suis décalé d'autant avec Zinlen. Je te laisse jouer Sophia. Ok. Je sais pas, si je tape avec le gros, vous allez pas kiffer. Moi ça m'arrange, hein, ça fait 3 attaques. Hein. Et avec le capitaine qui encaisse 3 attaques. Hein. Bah voilà, j'ai pas de points donc je peux pas le terminer.
Bah galope, fuis, fais quelque chose si tu veux. Tu peux t'en aller ailleurs, hein. Si tu veux. Oh non, je vais rester là. Je vais rester là, ils ont tout ça ici. Je te donne le... Merci d'avoir joué. Par contre, vous m'avez vraiment bloqué là, en fait. Attends, c'est une vraie question. Vous m'avez encore bloqué ou pas? Bah non. Non, c'est bon, ok. C'est pour ça que je me suis... Non, mais j'ai eu peur. J'ai vu socle, j'ai fait non, attends, je suis Keblo là. J'ai un petit peu halluciné sur le coup. T'as un tacticien à aller buter si jamais t'as envie. Ah, il est où lui? Ah oui, là-bas. Ouais, non, c'est loin. Demain, ouais, c'est loin. Hein. Il court loin là? Ah bah il te tabasse toi, faut que j'y aille peut-être. Peut-être falloir que j'y aille. Ouais, ça peut être intéressant. Certains diraient même que ça. Ouais, je dirais 0 points quoi, vas-y. Oh la tristesse d'un monde quoi. Si tu l'engages, tu vas en générer. Mais je peux pas l'engager. Mais si, tu vas l'engager, regarde, fais-le. Fais ta grosse attaque. Ou tu vas en toucher qu'un seul. Ma souris, elle est pas d'accord. Ouais. Engagé. Ah, ça m'engage. Ok, bon bah écoute. Parce que tout à l'heure, quand j'en ai tapé 2, ça va pas engager. Hein, donc, oui, parce que t'en as tapé 2. Voilà. Il est faible. Il est si faible. Il te met quand même 2 attaques, ce petit con. Et alors, As de Bard, il est si puissant. Connard, on s'en fout. Je vais bouger un Toto, un Taurus. Un Taurus. Ouais, parce que il est pas engagé, et ça peut s'engager. Non, on a dit engagez-vous. Ah bah, je vais essayer. Hein. On va pas dire que j'aurais pas donné de la bonne volonté. Hein. Ah si, tu t'es pas engagé. Un autre couteau? Allez, couteau. C'est brouillon ce combat. Oui et non, parce qu'en fait on avait. Une équipe de ce côté-là et une équipe de ce côté-là, donc c'est pour ça que c'est assez brouillon. Mais c'est géré en fait. C'est juste que là, pour gérer 4 pélos, ils sont obligés d'être 1, 2, 3, 4, 5. Et là, bah, on est tout autant en fait. Mais il y a autant de monde. Mélanie qui n'a absolument pas joué. On t'attend, hein. Je sais pas qui. Je suis en train de réfléchir lequel je vais tabasser en premier, mais je pense que ça va se finir. Bah, lui il a pas de garde donc. Après, les deux n'ont pas de garde en fait. Oui, c'est ça. Juste une question de prioritisation des lois du marché. Ouais. Hop, comme ça. Pas en contact. Ah, cochon! Sheila, tu fais n'importe quoi. Ouais. Alors, le prochain à jouer... Ah, tiens, un fantassin. Heureusement qu'un joueur incroyable t'a rendu 2 points. Que tu vas t'empresser, évidemment, de me siphonner. Triste. Bah écoute... Et ouais, je sais. Putain, mais pas un seul coup critique. T'es sérieux, mec? S'il te plaît, fais un effort quand même. Oh, par contre, là, ça fait mal. Est-ce que c'est pas le moment où le destin va rappeler sa place à Zinlen? C'est-à-dire entre 4 planches. Parce qu'en plus, le prochain à jouer, il est sur le coin de ta gueule. Hein. Je t'annonce. Ouais, il y a des chances là. Il y a des chances. Il y a des chances qu'il rappelle Zinlen. Est-ce que déjà Mélanie, elle a le soin? Bah déjà, ça va être une course et je vais dégager Zinlen, hein, tu sais, y a ça aussi, hein. Non, parce que si elle avait le soin, ça aurait été intéressant de lui enlever son saignement, en fait, et de lui rendre des pavés, non? Non, ça aurait été intéressant, il va le buter. Pardon? De quoi? Mais t'engager le lieutenant avec Mélanie? C'est ça l'idée? Parce que là, tu veux faire quoi? Tu cours pas plus vite que le lieutenant avec ton gars, là? Est-ce que t'as regardé la zone, s'il te plaît? Quelle zone? Juste, s'il te plaît. La zone la zone de sa frappe? Ouais. Ah, il frappe en 3-6, hein. Nos scopes. Ah, il frappe en 3-6, nos scopes. Mais non, c'est triché, ça. C'est triché, c'est interdit, ça. Donc, ça va être... Même Os de Bard, il le fait pas. Ouais. C'est triché, ça, hein. Voilà. Bah oui, mais t'as vu ça... ça déplace-toi plus loin, hein. Plus loin encore, hein. Plus loin. Non, pas par là. Non, fais pas le dingue. Bon merde. Fais pas Jean-Paul le dingue, là. Et bah voilà, t'as mis un crit. Oui, c'est un crit maintenant alors que je... Un double crit. Par contre, t'es en train de mourir de décès, hein. Ouais. Et hop.
Ouais. Merci, au revoir. Alors, ce qu'ils prennent dans la gueule, t'es con. Je peux t'engager celui-là si ça t'arrange. Ça change rien que je finisse à côté d'un poteau ou pas. Oui, vas-y, tu peux. Si, ça change tout. C'est pas vrai, je peux pas te laisser dire ça. Ça augmente le pouvoir de l'amitié. C'est vrai, mais... Et c'est pour ça que Zinlen n'a aucun ami sauf un, qui empêche le lieutenant de le foutre au bout de sa lance. Qui est la personne qui lui a foutu une flèche dans le dos, d'ailleurs. Non, est-ce que tu l'as mis à mon mur, hein? Ah oui, Zinlen, son meilleur pote, c'est mon mur, c'est ça? C'est ça. Et Denal, c'est Taurus. C'est ça. Voilà. Merde, de bord, il a pris si cher! La petite couillette, on la voit. Tu vas soigner Os de Bard, bien sûr! Ouais. Non, je déconne. Oh, si tu vas aller taper l'autre, j'en sais rien. Je peux pas, j'ai rien pour taper. Par contre, je dis pas non à un soin parce que si je me prends un tacticien dans la gueule après, je sais pas trop, je crois que ça va mal tourner. Hein. Bon, t'as quoi? T'as. Bah, j'ai plus rien, j'ai 42 PV, mon gars. Ah ouais. Bah, c'est quoi? Je vais aller là. Je vais aller le prendre. J'ai de l'armure encore, donc je vais aller le provoquer. Vas-y, joue de ton côté, hein, c'est... Ça doit... Putain, mais j'ai pas un point, gros, tu veux que je joue, mais j'ai pas de point. Eh, hey, j'ai soigné ton gros. Tu veux que je joue, tu veux... Ouais, vas-y, je peux faire ça, là. Ça, je termine mon tour ici, ça me fait 2 points. Bon, lui, il va tabasser Shinai, mais de toute façon, on va le... Hein, on va manger Shinai, après. Non. Bah si, il va falloir manger Shinai. On peut toujours pas enlever les porcs, on peut pas toujours... On peut... Ah, ça c'est une très bon... Très bien, très bien. Ah ouais? Non. Tu vas le capturer, c'est ça? On peut, à première vue, on peut embarquer ce... Alors, non, je comprends plus rien, parce qu'on peut plus arrêter n'importe qui dans le jeu, mais on peut arrêter des non, agents non. des forces de l'ordre. Tu ne peux pas livrer à la prison quelqu'un. Ah oui, mais je peux l'arrêter, oui, c'est vrai. Alors, juste pour rigoler, arrêter. à combien je peux récupérer un agent des forces de l'ordre? À 51%. Ah, c'est un peu... Eh hey, est-ce que je le tente pas? C'est un peu le 51 que j'aime, c'est un peu le pastaga, c'est un peu le chiffre vas-y, des forces de l'ordre. Vas-y. Ou est-ce que je l'abaisse un peu? Enfin, j'en sais rien, je pourrais l'abaisser un peu. Tu l'abaisses avec ton attaque de base, tu ne pourras plus le capturer. Avec non, lui. Non, avec le... Là, il a en dessous de la moitié de ses points de vie avec un coup. Et ah, j'ai bah encore ouais. une hache de lancer. Voilà. On a combien? 63%, putain, ouais, tu veux pas tomber, hein. Descends encore un peu pour voir, là. Voilà, avec merci. Un saignement en plus, bonjour. Voilà, 100% là. Quand il a 10 points de vie, tout de suite on ferme sa gueule. Allez hop, ça ramasse. Dans la poche. C'est la pitch. On a capturé. Dans la poche. Garde. C'est le garde qui se fait arrêter. Un agent des forces de l'ordre. Voilà. C'est quoi le prochain truc à jouer? C'est là où très loin. Et ensuite c'est le connard chez moi. Ouais. Ouais, mais j'ai pas envie de l'engager moi. J'ai envie de l'obliger à bouger. J'ai pas envie de te jouer non plus. Laisse-moi jouer Denal dans ce cas-là. Vas-y, fais des trucs. Comme ça, je te génère un point. Voilà, je t'ai généré un point. Nice, c'est bien. Ouais, mais lui il veut pas jouer avant. Attends, il y a encore quelqu'un que t'as pas joué? Oui, Mélanine qui peut aller soigner Zinlen. Ah, vas-y, joue Mélanine. Ou alors qui peut aller buter, te générer un autre point et buter le fantassin. Je pense que sauver la vie à Zinlen est quand même plus important qu'un mec qui va mourir des flammes d'une manière ou d'une autre. Oui. À un moment donné, faut être sérieux. C'est comme là par exemple, si tu peux déjà commencer à te rapprocher de Tirailleuse pour peut-être un jour la soigner. Plutôt ouais, que du mec qui va crever. D'accord, moi je... Oui, sauf que tu passes par les flammes. C'est... Ah, tu penses que tu peux tout faire, là? Tu penses que tu peux avancer et dash? Ah, non. Ah, t'as non, plus, non, ok. Pas aller. Non, c'est pas... Okay. Ça
c'est pas Sophia, elle doit être jouée en dernier quand tout le monde est plus ou moins collé les uns aux autres. Bon bah voilà, le combat a été rondement mené. Il est pas fini. Ouais, je sais. Ça va, il reste encore moult affrontements. Honnêtement, j'espère avoir l'arc de la la chef. J'espère que tu l'auras pas. J'en ai marre de tes archers qu'on n'arrête pas de surcoter et qui sont nuls. J'ai vu prendre que des couteaux, des légions de couteaux. Et toi, que des connards de lanciers ? Ouais, ils sont pas si fous que ça, les lanciers. Ils sont très consommateurs en points aussi. Ouais. Tu prends, en vrai, tu regardes les corps à corps, ils sont quasiment autonomes en points. Ils consomment un point, ils en génèrent un. Enfin voilà, tu vois, ils sont quasiment autonomes en points. Ce qui est quand même pas mal. Par contre, ouais, les lanciers, c'est la zone, elle est bien. Elle est grave bien, hein, la zone des lanciers. Hein, mais et qu'est-ce qu'elle bouffe comme points, hein. Faut pas oublier que quand même, ceci dit, grâce à la zone des lanciers, l'autre avec son marteau, il a jamais rien fait de sa vie. Hein. Jamais. Oui. C'est pas mal. On aime, ouais. Non. T'as pas l'air convaincu. Hein. Bah écoute... Si tu peux rendre des points de vie off the bard, hein. Ouais, je peux faire ça. Parce qu'en fait, tout ce qui repasse au-dessus de la moitié, on n'aura pas de blessure. Ah, je crois pas qu'il a la moitié, ce con. Non, il doit être à un peu moins de 53 sur 104. Si, il est. Il est bon. Glorieux. Ah bah, un point de vie près. Je vais jouer un petit lieutenant pour soutenir un port. Bah, pour aller buter, ouais. Vas-y. Ah, ou alors mon mur, il peut glisser. Ouais, non, il va pas si loin. Mon mur, mon beau mur. Ah, mais t'as pas l'inspirateur. Ouais, je peux plus. Ouais, bah y'a plus que ces deux connards. Attends, on a la galvanisation là, hein. Même pas, on a même pas la galva. Putain, il faut vraiment qu'on ait notre volonté. On a une volonté à chier, c'est un scandale. Je joue tout ce qui peut être joué, ça fait des. Oui, vas-y. Ah, j'ai quelqu'un à soigner aussi de mon côté, j'ai pas regardé. Si, ouais, j'ai ma digue, j'ai pas vu. Y'a quelqu'un qui a du soin là dans les. J'ai plus personne qui a du soin, au secours. Bah, les deux qui avaient du soin, tu les as joués. Et merde. Les deux supports, sont partis en première ligne, c'est intéressant. Regardez, ceci est un capitaine, mon capitaine. T'es bientôt mal, Shinai, hein. T'es très mal là. Hein. Elle a combien d'attaques par tour, ce truc? Bon, juste ce qu'il faut. Hein. C'est pour ça que je te disais. Par contre, je peux en lancer un petit. Tout le monde était encore à 3, hein. À 3 tours. Non, j'en avais un qui avait pas le 3 tours, monsieur. On pouvait plus être à 3 tours. Moi, il ne restait plus que Os de Bard. Je sais pas si t'as des trucs toi à faire ou à bouger. J'ai des trucs. Attends, mais s'il a du soin, c'est le moment d'aller soigner Tyrios. Ouais, mais il a pas de déplacement, c'est ça le problème. Ah putain, c'est vrai que c'est une tortue. Il a pas de déplacement, il a pas de critique. Alors qu'il est censé avoir plein de critiques. Oh, j'ai envie de faire un truc là. J'ai envie de faire un truc pour finir Knarfang. Vraiment. Tirer des flammes sur Os de Bard. Ah, tirer dans mon crew. Là, j'ai un tir groupé. Ça serait un peu cocasse. Mais ça te tuerait très probablement. Est-ce que ce serait pas une sorte d'échec critique en consécration? Oh là non. Là. Ah, attends. Est-ce que par exemple, tu viens de me dire que tu viens de faire la pire action de ta vie qui est de cramer un point pour ne pas t'en servir? Merci, Shinai. Je pourrais m'en servir au prochain tour, mais oui. Non, tu viens de cramer un point pour la distance. Le prochain tour, tu l'as plus. Hein. Non, je toujours, c'est jusqu'à la prochaine. Voilà. Regarde, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de petit point derrière. Voilà. Ah, c'est gentil, mais ok. Il n'y avait rien d'autre à faire. Allez, si tu peux soigner Mélanine avant qu'elle descende en dessous de la moitié de ses points de vie, ce serait pas mal. Tirailleuse, ouais, mais ça va me coûter 2 points. Tirailleuse aussi. Pourquoi? Oh non. Ouais. Si, 2 points. Un pour la soigner, un pour dash. C'est ça. C'est ça, ouais, mais bon. Vas-y, dash. Dash.
Pas chier, reste de connard, on s'en fout. Là, l'intérêt, c'est de pas payer des remèdes hein, et des pansements. Ouais. J'avance au max. Voilà. Je te redonne un point. Au revoir, Shinai. C'est mort, Shinai. Ils ont buté mon cochon. C'est des connards. Pile poil sur le lieutenant Will. Excellent. Je vais en profiter pour soigner ma Vic. Attends, attends, je peux faire un truc, s'il te plaît? Ça dépend quoi? Mettre le feu à tous ces connards. Ces deux-là. Ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Je vais envoyer un capitaine là-dedans. Ça... Alors, enfin, moi, je vais prendre des dégâts avec les... Quoique, c'était pas forcément une bonne idée en vrai. C'était une très mauvaise idée. Mais. Admettons. Tac. Je vais jouer. Soigner ma vie. Je les ai mis un peu en arrière pour éviter que... Passer le tour. Stevie, Taurus, Stevion et Mavig, leurs relations se sont améliorées. C'est pas beau l'amitié? Alors. Si, c'est beau. On va les caquer tout de suite avec le boss, le capitaine, qui s'en bat les couilles des flammes et de l'enfer. Il est le Doom lui-même incarné. Redescends un peu. Hein, Aïe. Oui. J'ai mal. Ouais, n'empêche, c'est quand même bien pratique d'avoir un mec qui en a absolument rien à foutre du poison et tout le bordel. Par contre, ça va les attaques, tranquille ma gueule. Tu veux que je t'en dépanne une ou deux quand même, au cas où? Parce que là, t'as l'air d'être en stress et t'es en galère d'attaque là. T'as l'air d'être un peu en galère là. Peut-être t'es... Bah, je crois que le capitaine est mort en fait là. Non. Si, t'inquiète, il est mort là. Parce que l'autre, il va lui retaper sur la gueule parce que j'ai pas de pouvoir de recul. Ouais, mais tu peux aller le cac avec Taurus, non? Mais Ah oui, si je joue avant, ouais, je peux le cac avec Taurus. Ah oui, regarde à quel moment il joue le truc. Ah putain. On va le cac... Excusez-moi, ma souris, hein, excusez-moi. On va le cacer avec Taurus. Hop, je vais le cacer avec Taurus. Donc les gardes, toujours une bonne idée hein, d'aller se les taper. Hein. Comment ça? Oui, complètement. Et tu te rends pas compte la quantité d'XP qu'on vient d'engranger là hein? Ouais. Il y a deux persos du crew de base qui ont failli crever. on est quand même galvanisé qu'au bout de Massacre sur 20, il reste un garde genre en train de saigner, brûler, il est déstabilisé, il lui reste moins de la moitié de ses points de vie. C'est seulement maintenant que le gars il se dit il faudrait peut-être que je m'en aille. Peut-être maintenant. Et regarde, quand tu regardes la jauge de galvanisation, t'as envie de rigoler, tu fais ah ouais, c'est vraiment genre on vient de rentrer dedans quoi. C'est même pas ah oui, d'un seul coup t'es à fond, tu vois. C'est vraiment le gars, il a quand même un doute. Il se dit mais attends, je suis sûr que ça peut encore se faire. Je suis sûr, si on bricole bien, voilà, ça se fait. Allez, je te laisse le terminer ce truc. Je sais même pas si je le termine. T'es marrant toi. Ouais, je le termine pas. Ah si. Parce que je me suis engagé. Wow. Engagez-vous, qu'il disait. Oh là là. Oh les armures. Il a plus d'armure. Hein. Oh, mais si, il y a des tas de trucs. Eh, hey, il y a une armure légère là, une jaque du capitaine là. Ouais, 3% de crit, 1 de volonté, mec, ça a pas de prix. 2 de mouvement, tu me fous ça sur Zidlad tout de suite. Ouais, ça déconne, j'en sais rien. Le corps de Shinai, vous pouvez enterrer où vous le souhaitez. Oh ouais, je prends. Je sais pas, je prends des trucs. Hein. En fait, je prends tout. Bah ouais. Je ne peux soigner aucun de mes compagnons. Nous mourrons ainsi. Attends. Peau syndicale. Là. On a pris un peu de tarif. Hein. Attends, enterrer. Attends, on peut enterrer. Mais j'ai fait clic droit, je vais enterrer le cochon. Pourquoi je peux pas? Mais, je peux pas enterrer le cochon. Dégueulasse. T'as réparé personne? Si, c'est en cours. Bah, j'ai demandé les réparations, il veut pas les faire le jeu. Bah, jure, je viens de faire clic droit dessus, je viens de dire répare. Ah, on a un connard, c'est vrai, on a une guide. On a du con là. Du con charançon là. Dégagement par la force. Ah, tu récupères les compétences de ces gars là.
Et Gwyn, il est vraiment défenseur. Attends, as-tu quoi? Et Gwyn, il est vraiment défenseur. Et au passage, ouais, il est alchimiste. En plus, il a un métier, ce connard. Ouais, il a un métier. Il est novice, hein, par contre. Oui, mais ce que je veux dire, t'as vu, il a vraiment dégagement par la force à débloquer tout, quoi. Attends, ça veut dire qu'on peut l'utiliser s'il vient au combat ou... Bah, techniquement, vu qu'on est censé pouvoir les recruter, non? Ouais, je sais pas comment on les recrute là. Je crois qu'il faut les garder un certain temps. On peut le libérer ou le renvoyer. Moi, j'aurais voulu l'exécuter, mais hein, c'est vraiment le jeu d'un. Sinon, les gens seraient pas. T'as débloqué ses spécialisations là ou pas? Comment ça? Bah. J'y ai pas touché au perso. J'y ai pas touché, je suis en train de voir les passages de niveau, parce que Stevie hein, vient de monter d'un niveau. Ce qui intéresse énormément, évidemment, tout le crew. Hein. On va lui faire un petit plan de carrière sur du crit, hein, comme ça il passera à 11% de crit. Voilà, ouais, félicitations, Stevie hein, est enfin devenu niveau 7. Il ne peut donc toujours pas porter d'armure, il ne peut toujours pas utiliser de lance, il peut rien... c'est toujours une merde en fait. On a monté notre atelier ou pas? Alors armure 4... Oui, oh, nos armures elles sont pourries ma gueule. Ouais, les armures que tu n'utiliseras plus s'il te plaît, tu me les mettras dans le coffre, je pourrais les démanteler pour récupérer des ressources. Et les renforts aussi non? Les renforts non, les armes. On récupère toujours pas les renforts? Les renforts, c'est à la forge. Enfin, non, c'est. Je sais pas comment. Si, si, c'est. Tu fais shift clic droit, mais est-ce qu'on a pris le point pour. C'est ça la question en fait. Oui, oui, on l'a. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, tu regarderas quand tu. Sur une armure, tu peux faire shift clic machin. Shift clic droit. Et en fait, ça utilise deux matériaux pour enlever les renforts. Bah écoute, je vais devoir abandonner son armure, même si elle est très stylée, mais étant donné qu'elle n'a plus aucune valeur d'armure, rien. Ah, mais non, attends. Je peux rien porter, je suis trop bas niveau. Oh, je suis trop nul. C'est un scandale. Et, on est pourri. On est moisi à un stade, c'est horrible. On n'a pas une armure lourde là-dedans. Lourde. Je gagne de la garde, je gagne de l'armure. Le mouvement, c'est pareil. Je perds le dégât critique et je perds ma force. C'est non, chiant. Personne n'est mort. Pas 7. Paye 7. Paye 7. C'est Woodash. Ouais, c'est Woodash. Rondash, attends, par contre, on peut peut-être partir sur un bouclard. Un bouclard. Mavig. Un bouclard niveau 8, c'est pas possible pour Mavig. On peut pas faire grand chose, hein. Genre, on a ramassé du stuff, on peut même pas s'en servir, c'est trop haut niveau pour nous. Ouais. Si, mon capitaine, il peut le prendre. Et c'est très intéressant. L'arnois de la guerre, tu le voulais? Le arnois de la garde, tu le jouais? Quel arnois de la garde? Ah non, ok, non, rien, laisse tomber. Il est pas. Non, justement, je te l'ai mis dedans pour que tu puisses le désosser. C'est bon, je peux commencer à désosser les trucs? Oh ouais, vas-y, hein. Le capitaine va changer de bouclier pour le bouclier à coup rapide. Parce qu'il est clairement meilleur. Ah, j'ai récupéré 2 de cuir et 4 de fer. Ça me donnait. Ok. Tiens, si t'as des armures à réparer. Ton côté. Oui, mais il veut rien me réparer. Hop. Il veut rien me réparer. Et non, en plus, c'est pas moi, c'est toi à première vue. Hein. T'as Zinlen, il est à 0 sur 56 hein, de mon point de vue. Je sais. Tu les répares pas? Tu peux démanteler la targe fantôme? Oui, si je te les mets, c'est que ça dégage. Hein. Y a pas d'embrouille. Il nous reste notre lieutenant. Mon lieutenant. Nécessite le niveau 8. Ah mais Will il est pas 8, il est 7. Il est moisi du fiac hein. Mais tout le monde est moisi pourri en fait hein. Tiens vas-y, deux armures à désosser. Je t'en mets deux à la désos. Ouah, c'est horrible. On est si faible. C'est un scandale. Lui on fait quoi? On le libère, on le suicide. On fait quoi de Higuin là? Est-ce que tu peux essayer de lui débloquer le désengagement par la force et le fervent de la loi? Parce que en gros, si on peut
avoir ces bonus là. En fait, tout est en gris sur lui, mais je pense que tant qu'il est pas recrutable, on peut rien faire. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, c'est presque dommage parce qu'il a de la spécialisation, mais on peut pas la mettre pour nous quoi. Enfin, bref, ouais. On le dégage ? Ouais, dégage-le. Libéré. Tu es libre. Ouais. Par contre, j'ai des gars mochés avec des blessures et tout. Hein. J'ai plus de médoc, j'ai plus de remèdes, j'ai plus rien. Il faut qu'on trouve un alchimiste. Mais tu répares pas tes gars Ou c'est un bug visuel que j'ai ? Alors, non, je suis en train de réparer mes gars, t'inquiète. Ok, d'accord. Mais je ne pourrais pas réparer plus que ce que j'ai là. Voilà. Comment ça ? Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Comment ça ? Comment ça quoi ? Comment ça tu peux pas réparer plus que ce que t'as là ? T'as plus de matériaux bruts ? Il m'en manque juste un pour monter à 41. Oui, mais je suis déjà à 35. Mais non ! C'est fait. Ça bousille un. Bon. C'est pas grave. T'en fabriques, non ? Oui, j'en fabrique. Est-ce qu'on peut enterrer. Ah oui ! Attends, j'enterre le cochon devant le pont. Si j'y. L'échec critique. 144. Échec critique. À première vue, on combat des porcs, c'est ça ? Oula ! Moi, ça m'a niqué toute la cinématique, je vois rien. Ouais. On rend hommage, c'est ça ? Hommage à Monsieur Porc qui nous a quittés ? C'est beau. Ça. On ne verra que combattre des crétins niveau 9. C'est triste. Bon. Et moi, je vais peut-être faire un bisou à YouTube avant de tenir, parce que je crois que l'épisode est un peu long. Peut-être faire un bisou à YouTube, et honnêtement, je pense que je vais aller me faire un petit peu à manger avant que Zell n'arrive. Pour JDR. Ah, c'est pas faux, ouais. Je vais couper. Tu le live du coup le JDR ou pas là aujourd'hui ? Je ne sais pas si je vais le live. Non, je pense pas le live. Je peux l'enregistrer. Ton Woodash, ça l'intéresse, hein. Ça le chauffe, hein, je te le dis tout de suite. Ça le chauffe. Non, je lui demande même pas, je le sais déjà. À voir. Mais on va s'arrêter là. Merci Woodash d'être venu. Clairement, c'était très cool. Et moi, YouTube, en ce qui vous concerne, si vous êtes encore là jusqu'ici, les épisodes de JDR, si jamais ça vous intéresse, ils arriveront, mais j'attends d'avoir le logo pour sortir les épisodes. Voilà. Le logo ? Oui, le logo pour faire la miniature. Mmh. Je vais enfin avoir des logos pour Hero et Chaos. Ok. Voilà. Eh bien, de mon côté, Twitch, je vous fais des bisous, et peut-être à ce soir si je décide de live du Donjon de Nalbuck. Pourquoi pas, on va peut-être faire une note. tout bien considéré. Tout bien considéré. Et des bisous. Au revoir. Des bisous. Des bisous YouTube aussi à vous. Ouais.